Oh, j'ai toujours une sale tête salut Ah oh, nouvelle coiffure Mais ça te va bien, ça, 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 je trouve ça donne un côté vintage, j'adore euh, Pas vintage, pas vintage. Ben, Moi je l'entends pas de toute façon, je n'ai pas ce type de problème là Salut alors Carrément. Est-ce que hum. est-ce que tu, est tu l'as revu, euh, Rallo ah, Il y a eu des messages avant. Je... Ah putain, j'ai mon mari est tombé dedans aussi. hier soir mmh. mais euh, moi j'ai vu euh, romain jouer j'étais pas hyper euh... en fait ça a l'air trop haut alors je pense que ça je kifferais monter mon perso et après le reste j'étais là et ils vont te laisser jouer à un moment, là, à te demander d'aller euh, à droite, à gauche, euh, à faire euh, les Ouïghra les vieux. tout ça Ouais. Salut, blanc C'est euh, du Todd, d'ailleurs, parce que je n'avais pas vu que tu euh, On n'entend pas Malolie. Ah, je parle toute seule depuis tout à l'heure. En plus, elle disait des bêtises sur vous Ah ouais, elle dit des choses. Oh là là, horrible. Tu Genre là, pas vous m'entendez ouais, <laughs> euh, Moi, je l'entends, mais je suis dans la même pièce. <laughs> je rêve. Ouais, là, t'as as mal joué, euh, mon, mon technicien. Il est occupé ah à faire là. autre chose. Euh, C'est bon, ok. Donc, on reprend. C'est reparti. <laughs> en fait, en plus, tu sais, quand j'ai mis des vidéos, euh, YouTube, euh, des vidéos sur YouTube mm -hmm. euh, de nos lives, et j'en ai regardé aucune. Et là, la dernière fois, je me suis dit, ah, je vais essayer d'en regarder une. Et... et genre, au début, je crois que c'est toi qu'on n'entend pas, mais pendant peut-être 10 minutes, <laughs> <ça> pourrait... <laughs> Je me dis mais mince si j'ai mis ça sur youtube j'ai même pas coupé, enfin tu vois j'aurais pu faire un petit montage sympa <laughs> et ben pour regarder tes... <laughs> j'ai déjà te taper 10 minutes où on n'entend pas c'est le bossu de Notre-Dame que je dirais c'était sur le bossu de Notre-Dame je crois malheureusement euh... c'est au début en général c'est toi qui parle le plus ah ouais non mais là c'est du coup c'était trop, trop bizarre t'as l'impression que tu coupes toute seule merci alors, tu... et merci pour la coupe. Et tu peux dire à Linoué qu'elle n'est pas la seule, qu'il y a beaucoup de gens qui ne me reconnaissent pas. Aujourd'hui, je suis au badminton et je suis arrivée avec ma raquette et je dis bonjour. Et le, le coach, il dit euh, bonjour. Et après, il m'a fait Ah, mais, ah, mais je t'ai reconnue. <laughs> je, je voudrais jouer, s'il vous plaît. <laughs> Donc, euh, ça euh, doit être très bien. merci beaucoup. Bon, là, c'est un peu. J'ai fait le sport ce midi, du coup, c'est un peu. Genre d'habitude c'est encore mieux, <laughs> mais euh, oui j'avais envie d'un peu de changement non. donc, euh, donc j'ai changé de coiffure. Euh... Ok donc euh, ce ce j'allais dire ce matin un lapin ce soir plutôt ce soir on va parler de Peter Pan je ne sais pas donc si vous l'avez euh, si vous l'avez revu chez vous avez posé la question je sais pas. Ouais donc Rallo tu l'as revu trop bien. Euh... je sais pas si euh, toi des bonnes oh, deuxième mois Rallo oh oh, trop de cœur <laughs> mais pourquoi on a il y a eu un il eu un truc il y a eu un gif ouais mais en plus moi je le vois sur le chat mais oui moi euh, je l'ai vu sur le chat mais d'accord ok oui, affiché, ah affiché. ok ok oh, trop bien merci Rallo ah, ça me fait chaud mmh, euh, mm. ça, ouais euh... super <laughs> Mais tu sais mmh. moi en fait à avant chaque début de live je, je mets à jour mes, mes gifs et grâce enfin, cela dit celui-là je ne sais pas si je le mets à jour mais sur les follow, en fait, j'ai toujours un nouveau GIF et, euh, et c'est devenu presque une, une private joke avec Anissa parce que je, moi, je lui disais, euh, bon, alors j'ai mis à jour le GIF de, du, jout, hein. du follow, j'espère qu'on va le voir. <laughs> en fait, elle ne le voit jamais parce que personne... Follow. <laughs> Donc j'ai euh, voilà, une bibliothèque de gifs pour chaque dessin animé. Donc voilà, sachez que si vous follow ce soir euh, notre chaîne, vous pourrez voir euh, Monsieur Mouche qui danse, hein, si ça vous Monsieur ah, Mouche. Ouais. Euh, et puis je, du coup maintenant, vu, pour, pour combler ma frustration, je mets tous les autres gifs dans, ma, dans la petite présentation, <laughs> <pour> ah. cou... <laughs> parce que j'aime trop les gifs. <laughs> Donc voilà. Um... Mais ils sont toujours de super qualité. Je ne sais pas où tu les trouves tes gifs, mais euh... Et pas les ouais, génies. Mais... J'allais dire ça. <laughs> euh, okay. Euh, ok, ok, ok. Et refollo et voir les gifs. Ah, le Rallo. <laughs> <laughs> on compte sur toi. <laughs> Hello, Mehdi Marco. Salut, euh... Medi Marco. Donc, euh... ah, bah écoute, on va mettre la petite presse. Je je vais nous mettre comme ça. Je pense que je n'ai pas encore. Euh... Voilà. T'es devenue tellement fluente sur Twitch. Ouais. Oh yeah. <laughs> euh, on va donc parler de Peter Pan. Je sais pas pourquoi je le dis à chaque fois P comme ça. Peter pan. <laughs> euh, moi, à chaque fois, j'ai en dir... envie de dire Peter Bannings. Ça, euh... c'est voilà. un hook. Yes, ok. Bon, on va en parler aussi, je pense. Euh, et bien, pour euh, déjà faire la petite intro, euh, si. euh, Peter Pan, c'est un film qui date de 1953. Euh, il est donc sorti deux ans après Alice au Pays des Merveilles. C'est la deuxième fois que Walt Disney, enfin que Disney... Euh, euh, Adapte une œuvre littéraire plutôt qu'un conte de fées. Donc euh, après, euh, après Alice au pays des merveilles dont on avait déjà parlé. Euh, il date donc de 1953. Il a été réalisé par un trio de réalisateurs euh, que sont Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Lusk. On en a déjà parlé de ces deux, au moins une fois de ces trois. Euh, vous avez une, un petit aperçu de ce qu'ils ont pu euh, réaliser. D'autres. Wilfred Jackson fait partie des réalisateurs de Blanche-Neige. Ils ont été tous les trois, le trio de réalisateurs est aussi euh, aux commandes de Cendrillon et de Alice au Pays des Merveilles. Et euh, après, vous, avez, vous pouvez faire des duos. Donc, euh, vous pouvez aller regarder bah, lui et lui. Euh, ils ont fait, ils ont fait euh, La Belle et le Clochard euh, et aussi euh, Les Saints d'Almatien Tandis que l'autre, pendant ce temps-là, il a fait Aurore. Horreur, comme dirait ma belle-fille. Euh, <laughs> il a fait euh, la, euh, la belle Horror, au bois dormant. Est... Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, il est sorti la même année d'ailleurs en France et en, et euh, aux États-Unis juste à quelques mois d'écart. Euh, mais donc il date de euh, 1953. C'est l'adaptation de la pièce de James Matthew Barry. Regardez, petit J. Petit ah, magnifique. Je <laughs> suis sûre que si c'est celui-là pour... Euh... <laughs> euh, L'adaptation de la pièce de euh, James Matthew Barry, euh, qu'il a créée en 1904, qui s'appelait euh, Peter Pan ou L'enfant qui ne voulait pas grandir. Euh, Peter Pan est apparu une première fois dans un de ses euh, livres qui s'appelait euh, L'oiseau blanc, je crois, un truc comme ça. Je l'ai pas noté, je crois. Euh, mais euh, mais voilà, il en fait un véritable, une véritable pièce de théâtre euh, en 1904. Et puis quelques années plus tard, en 1911, il en fait aussi un roman. Mais dès 1904, dès la sortie de sa pièce de théâtre, c'est un très grand succès. Et d'ailleurs, Walt Disney euh, ira euh, voir ce, cette pièce de théâtre étant petit avec son frère Roy. Euh, et euh, c'est ce qui lui donnera quelques années plus tard euh, l'idée et l'envie d'adapter Peter Pan euh, en dessin animé. Euh, c'est dès 1935 euh, apparemment qu'il qu 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 vraiment souhaite adapter l'œuvre. C'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps euh, voilà et pour une fois j'ai pas grand chose à dire sur la production. Euh, si ce n'est que oui, ça, ça a mis beaucoup de temps, comme euh, on donné, euh, ils il voulaient le faire et puis finalement ils ont préféré faire euh, Cendrillon. Euh, voilà. Mais, euh, mais finalement, bah il est sorti. Euh, le est but... senti que est, ça se sentait que c'était la même époque, tu sais, dans, euh, quand tu regardes la robe de la mère de Wendy. Mm. Euh, en fait, euh, c'est la même robe que Cendrillon, tu sais, la, avant ouais, qu'elle se fasse. Oui, que... ouais, c'est vrai, ah. j'y ai, ouais, ai pensé c'est moment. Oui, ouais, j'ai vu mm. ça. Ouais. Et euh, je euh... sur la réflexion. Bah, je me suis fait aussi la réflexion de la famille Darling. Dans La Belle Clochard, c'est aussi des, les Darling. Ah oui. oui, je crois. Oui. Et c'est ah aussi c'est -ce Jim Cherry. Je ne sais pas si c'est les Darling, Darling ou si elle l'appelle toujours Darling. Ouais, peut-être peut-être c'est Jim Cherry, donc Jim Darling. Mm. Ouais, je sais pas. Mais je, je, me suis, je me suis fait la réflexion, je n'ai pas été creuser euh, l'info. Okay. Euh, Mais en effet. Donc. Euh, le, le, le... Bon, Anissa va bien entendu vous faire une, un petit récap de l'histoire, mais euh, la pièce étant nommée Peter Pan ou l'enfant qui ne savait pas grandir, vous pouvez vous euh, douter un petit peu de, 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 du thème principal. Euh, il faut savoir que, euh, en fait, euh, derrière cette histoire de Peter Pan, il y, y a vraiment l'histoire de jesse Matthew berry celui qui l'a euh, écrit. Euh, Jimmy, on va l'appeler Jimmy <laughs> donc l'auteur euh, quand, euh, quand il est tout petit donc il est dans une famille de 9 enfants je crois 9 ou 10 enfants euh, et quand il est petit quand il a 6 ans son grand frère qui, a, qui en a 13 meurt dans un, un accident de patin à glace euh, et ça euh, traumatise sa maman je euh, il était euh, c'était le petit chouchou apparemment et, euh, et du coup le petit jimmy tente euh, par tous les moyens d'apaiser la peine de sa maman il va jusqu'à à, à s'habiller avec les habits de son grand frère euh, et à essayer voilà essayer de d'imiter sa voix pour que euh, ben, pour soulager le deuil de, de, de la mère et en fait cette cette idée cette cette thématique de rester dans l'enfance et de la recherche de la mère parce que bien entendu ben sa mère elle a pas été très très présente pour lui euh, et prégnant dans toute sa, dans tous ses, dans tous ses, dans toutes ses toutes, ses, toutes ses œuvres quoi tous ses uh -huh. romans pièces euh, c'est vraiment euh, ça qui est en toile de fond bon, ton, ton côté père c'est pas terrible non plus hein, quand tu vois euh, le, le papa euh, darling euh, c'est c'est pas, pas terrible non plus. Euh, mais voilà, c'était euh, pour euh, expliquer que euh, le thème du rejet des parents. Alors, euh, j'ai lu que dans l'œuvre dans initiale, euh, il y a un adage comme quoi, euh, dès que tu respires une fois, un adulte meurt. Et du coup, Peter Pan, le, le, le Pan s'amuse à respirer très, très vite et à haleter pour être sûr qu'il y ait encore plus d'adultes qui meurent. Donc bon, ça, on en reviendra, on reviendra aussi sur le personnage de Peter Pan. Mais dans la pièce, c'est vraiment quelqu'un de pas gentil, de très égoïste, euh, qui, qui a une haine profonde des adultes. Euh, et voilà, bien sûr, qui ne souhaite pas grandir. Euh, voilà, donc rejet des parents, quête, euh, quête d'une mère, illusion que d'être un enfant toute sa vie va lui permettre de réussir euh, sa quête. Tout ça, c'est euh, ce qui est prégnant dans l'œuvre de James Matthew. Barry, euh, adapté par Monsieur Disney. Mais raconte-nous donc l'histoire de Peter Pan. Oui, alors avant ça, je fais un petit disclaimer. S'il y a des gens qui sont hyper, méga, giga fans de Peter, bah, euh, ex... ça va vous faire un effet mouche. <laughs> un effet mouche Un effet monsieur mouche. Un effet mouche <rire> Un <rire> effet taram <laughs> <laughs> Exactement. <laughs> bon allez, c'est parti. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille amoureuse d'un fantasme toxique qui l'emmène au 7e... enfin, euh, au pays imaginaire. Au pays imaginaire, elle se rencontre. Qu'en plus de pas être super sympa, euh, bah, ce garçon passe son temps à dragouiller à droite à gauche avec absolument toutes les créatures féminines du monde, genre vraiment toutes. Hein. Euh, voilà. Euh, pourtant, dans cette histoire, c'est pas Peter le méchant. Hein. C'est c'est Crochet. Euh, crochet, c'est un vieux mec qui apprécie pas trop Peter. En même temps, a-t-il vraiment tort euh, Surtout que depuis que bah, le merveux il a offert sa main gauche à un crocodile, détail. Euh, si on devait faire un remake de ce qui se passe au pays imaginaire, ça s'appellerait sûrement le Bachelor. Un seul mec <laughs> sur une île. Il est pas ouf, mais c'est le héros. Alors on lance toutes les meufs sur lui. On ajoute un grand méchant pour créer des embrouilles subsidiaires au cas où, et on voit ce qui se passe, quoi. Euh, les autres gosses, vous me direz, il euh, bah, y a peut-être d'autres enfants. Euh, bah, C'est des gosses. Hein. Ils passent leur temps à jouer, euh, certes avec des armes, mais ils jouent. Euh, et ils se retrouvent euh, de temps en temps face à au crochet, euh, face au crochet, pardon, quand il y a euh, des embrouilles de meufs, euh, quand il y a pas assez d'embrouilles de meufs, quoi. Quand y a, voilà. euh, après cette aventure, donc Wendy, hein, la jeune fille amoureuse, euh, comprend qu'en qu en fait, n'est plus une gamine. Elle décide de rentrer chez elle parce que finalement elle est peut-être un peu trop jeune pour être mère. Euh, enfin, sans tout entendu aucun. Hein. Euh, elle prend quand même ses deux gosses, enfin ses deux, ses deux petits frères avec elle, et elle retourne faire des gros parents euh, à ses parents euh, et surtout euh, à la chienne. Voilà. <laughs> C'est fini. <laughs> Merci Anissa. <laughs> bah, de rien. Putain, on a perdu quatre personnes sur le chat. Sérieux, le Bachelor il m'a tué. <laughs> <laughs> bah, c'est ça ou l'île de la tentation. <laughs> ouais, ouais, ouais. Oh, on va reparler quand même de. Ouais, ouais, ouais. de cet aspect-là. Euh, donc merci pour l'histoire de façon plus, euh, comment dire. Euh... Conventionnelle. Conventionnelle, <laughs> c'est ouais, voilà, l'histoire de, de, effectivement de Peter Pan. Euh... Un enfant qui ne veut pas grandir et qui amène un trio d'enfants, les enfants Darling, au pays imaginaire. Et ils vont vivre des aventures avec des indiens, des sirènes, une fée et des, et des pirates. Avant de revenir euh, bien au chaud pour, pour grandir, parce que c'est bien aussi de grandir. Euh, du coup, j'ai fait une, une section spéciale pour qu'on parle de... Peter Pan et moi. Alors, toi, c'est quoi ton histoire avec Peter Pan Est-ce que toi aussi, <laughs> il t'a enlevé et il t'a emmené au pays imaginaire ben, En vrai, euh, lui, il ne m'a pas du tout enlevé. Enfin, euh, il m'a enlevé beaucoup plus tard, hein, quand il était devenu adulte et qu'il avait perdu la mémoire. Euh, Je n'ai jamais été une fan de Peter Pan. J'ai toujours été une fan de Peter Bannings, euh, alias Peter Pan dans Hook. Euh, et... Euh... En fait, je l'ai revu il y a quelques années où euh, j'ai eu un, je sais pas, une espèce de no nostalgie de Peter Pan, pour le coup, du, du vrai, que j'avais regardé, que j'avais bien apprécié, mais où je m'étais dit que en fait, je me sentais quand même vachement plus proche du crochet que de Peter. Et, euh, et voilà. Ok. Um... <coughs> Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux catégories de Disney dans ma vie. Il y a ceux que j'avais en VHS et ceux que je n'avais pas en VHS. Donc Peter Pan, déjà, il fait partie des. Je ne l'avais pas en VHS. Oh donc VHS, pour les enfants, euh, c'est euh, les vidéo. anciens DVD, euh, les anciens Netflix. <laughs> Je ne sais pas comment le dire. <laughs> ah, voilà, c'était effectivement les cassettes vidéo euh, qu'il y avait dans notre bibliothèque, dans notre vidéothèque. Euh, donc, euh, donc, pas. Euh un fort lien euh, avec moi enfant euh, je pense que par contre j'ai toujours adoré le prénom Wendy à cause de Wendy dans euh, Peter Pan euh, j'aimais beaucoup ce personnage étant petite alors peut-être aussi mmh. que ce parce que euh, c'est la seule fille euh... ah non c'est pas la seule fille hein ouais donc je pense ouais peut-être parce que c'est ah, la, la, la fille la plus la plus sérieuse quoi donc euh, peut-être que je m'identifie tout simplement <laughs> à, à Wendy mais euh, mais ouais je l'aimais je l bien euh, grande fan de Hook aussi sans doute moins que toi parce que je l'ai sans doute moins bien vu moins souvent vu et pas moins bien vu euh, mais voilà euh, une en fait j'ai une une idée euh, c'est un petit film d'aventure sympa. Euh, c'est, pour moi, c'est pas euh, le chef-d'œuvre euh, Disney, euh, voilà, mais euh, toujours contente de le voir. En fait, j'ai un peu la même idée de base de Peter Pan que de Robin des Bois. Voilà, c'est un peu ou Merlin, euh, même plus Robin des Bois, tu vois. C'est moi, ouais, je ne pas, je suis voilà. pas contre. Dans mon souvenir, euh, tu aimais tout... bien Robin des Bois quand même. Oui, mais dans, dans le sens où n'irais euh, pas euh, moi me dire ah tiens j'ai envie de regarder Robin des Bois où j'ai envie de regarder Peter okay. Pan, mais que si quelqu'un me dit oh regarde Peter Pan, je fais ah ouais carrément, ce serait trop cool. <laughs> ça me <laughs> voilà. C'est à peu près ça. Robin des Bois est mieux. Eh bien nous en reparlerons en, en fin de en fin de live. Euh, pour voir s'il est mieux. Euh, mm. Eh bien on va étudier un petit peu les personnages. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. À commencer par notre ami Peter. Euh, Peter, comme, euh, comme je vous l'ai dit, dans, le, dans la pièce originale, il est beaucoup plus égoïste et euh, méchant, en fait, euh, dans, dans l'œuvre originale. Je vous ai parlé des trucs de respiration. Euh, il tue des enfants perdus dès qu'ils grandissent et quittent l'enfance. Donc, c'est... Voilà, c'est pas, pas un gentil, quoi. Forcément, il euh, y a une couche Disney qui l'a rendu un peu plus sympathique. Et moi, je trouve que dans Disney, euh, il est pas... Euh, Comment dire moi je trouve que si quand même non il, il a il a ce côté euh, tête à claque enfin tu as envie de lui donner des claques mmh. mais, mais sais, il ouais. a ce côté charismatique et, euh, et euh, sympa enfin tu vois euh, tu as envie de le suivre quoi qui qui est, qui est, qui est quand même euh, qui est quand même existant mmh. il, Après, a tête, moi... il a une tête il a une tête qui fait flipper mais tu vois <laughs> en le revoyant je me suis dit, ah ouais mais vraiment il est pas sympa alors et que l'idée que, qu hein. que, que j'avais de lui, c'était vraiment, putain, bon, c'est oh. quelqu'un de sympa. Mmh. Euh, l -l la première image, en plus, qu'on voit de lui, elle, elle fait plutôt méchant. Je ne sais pas si si tu vois. Euh, quand il regarde par-dessus, il est sur le toit. Et il regarde par-dessus. Il regarde pour rechercher son ombre. Et en fait, il y a juste une lumière comme ça. Et ça fait genre... On voit que ses yeux jaunes. Ouais. Et es là, euh, Mais ça, c'est une image de méchant. Oui, ouais, là, ça fait tout, stalker... Euh... Euh... Euh, ah, c'est flippant, ouais. Mais comme il a sa complice. Euh, moi, c'est ce qui m'a frappé quand je l'ai vu dans la maison. Il a une tête de vicieux. Ben bah, oui, ouais. oui. Et tu ouais, ses amis clair. dès qu'il grandit, effectivement, l'eau Donc, euh, ouais, ouais, il est, il est flippant. Mais n'empêche que on est. Enfin, les enfants sont contents de le voir. C'est le héros. C'est, le héros de leur enfance un peu. Donc, euh, et bah, ils le ouais, suivent tout de suite. Donc, euh... mais ça fait un peu relation d'emprise, moi je trouve. Oui. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, en tout cas, euh, étant plus jeune, oui. je n'avais pas du tout cette, cette, euh, cette idée-là de Peter Pan. Pareil, ouais, ouais, pareil. Voilà. je pense qu'on n'a pas la nuance, en fait, de, de ces choses-là. Mm. Là, en le revoyant, ah, en fait. je me dis que... Euh, donc, il a quand même, je trouve, ce côté euh, charismatique. Il est profondément misogyne. Euh, et tu vois, toi, par exemple, tu dis, euh, il dragouille un peu euh, toutes les nanas. Euh, moi ouais. je pense qu'ils s'en foutent ils sont charismatiques complètement. non c'est vrai c'est les raison. nanas enfin, moi, en tout cas ça donne l'impression que toutes les nanas ont envie ouais. d'avoir leur, leur main sur, euh, sur Peter Pan et que lui il n'en a rien fait. à battre quoi. donc non, pour non, moi c'est plus la question de euh, la vision et, la, et le, la représentation de la femme <laughs> dans ce dessin animé qui est questionnable ouais. plutôt non, que l'attitude de Peter euh... Pan tout à fait non non c'est vrai c'est vrai on en revient toujours à la vision de la femme tu sous les trois euh, sous les trois prismes quoi hein. ouais. euh, ou c'est euh, une maman euh, ou c'est une euh, je... ah, ou c'est une ah. ouais. voilà on va on va aussi euh, y revenir puisque effectivement je c'est aussi ce que j'ai euh, ce que j'ai noté comme thématique <laughs> Donc, parce que pour moi c'est une vraie thématique ah, ah bah oui, oui c'est clair ouais. c'est clair mais pour en clair. revenir à Peter je le trouve euh... Euh, il, est, il, il est vraiment tête à claque, il dit des trucs horribles, il est misogyne comme pas possible, mmh. mais malgré tout, il a ce il a ce charisme, il est plutôt BG. Voilà, t'as vraiment envie de le suivre, quoi. Ouais, ouais c'est clair. C'est clair. Euh, ouais, non, j'allais comparer avec Hook, euh, mais pas du tout. Ils sont tombés. Ok. Euh, tandis que la fée Clochette... Elle est exactement pareille. Euh, ouais. Alors non. Déjà, alors il faut savoir que dans la pièce originale, la Fée Clochette, c'est une lueur, c'est une lumière qui bouge, mais elle n'est pas du tout représentée. Donc c'était la première fois qu'on représentait la Fée Clochette sous une forme humaine. Ah. Pas n'importe quelle forme humaine, puisqu'on a décidé d'en faire une fille, une pin-up. Il hein. faut oui. se rappeler qu'on est en 1953. Donc, euh, c'est vraiment la femme idéale de, de, en 1950, dans les années 50. C'est la pin-up, euh, voilà, bien roulée. Euh, euh, Il voilà, y en a qui disent ouais, qu'elle qu a été faite à, part, à partir de Marilyn. Euh, Marilyn Monroe, elle était trop jeune au moment de la production du film pour que ce soit fait à partir d'elle. Toutefois, euh, ce que j'ai lu, c'est que Walt Disney avait dit... Euh, le, le, le succès qu'a eu Marilyn, enfin, au moment où elle a commencé à avoir du succès, l'a convaincue qu'il fallait que ce soit euh, dans ce... qu'elle qu 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 ressemble un peu à ça. Mais ce n'était pas fait à partir de Marilyn. Je ne sais plus. Il y a, y, a, y a son nom. Euh... C'était une actrice aussi, mais euh, je... elle est moins connue, en tout cas, que Marilyn Monroe. Moi, je ne la connaissais pas, donc je n'ai pas noté son nom. Voilà, j'ai été comme ça. Je me suis dit qu'on l'oublierait très vite, euh, mmh. mais euh, mais ouais, elle est euh, bah elle est alors pas, je sais pas je sais pas quoi penser de, de, de la fée clochette. D'un côté, elle est possessive, elle est horrible, enfin elle, 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 elle est elle est méchante, jalouse, colérique, possessive, elle a aucun problème à commettre des meurtres. Voilà. On de l'autre côté, on de l'autre côté tu de l'autre côté le, le, le fait que ce soit un personnage comme ça qui qu a un, un sacré caractère, c'est, enfin, je trouve ça cool, tu vois, je me dis waouh, c'est, oui. c'est, ça apporte quelque chose plutôt qu'une gentille petite fée toute mignonne euh, qui vit au pays des fées, qui est trop gentille, qui met la petite poussière de fée. Là, je trouvais ça, euh, voilà, je trouvais ça rigolo quoi. Ouais, non mais c'est, en fait, j'aime bien qu'elle ait du caractère aussi, euh, mais euh, pour le coup, en fait, j'ai l'impression que quand même on est sur que des méchants en fait euh, tu vois entre elle Peter bon crochet et tout en fait on est que sur des gens qui sont euh, vraiment méchants et enfin euh, elle, elle elle a aucun problème genre Peter il lui dit mais tu te rends compte qu'elle allait mourir elle était là ouais ouais je ouais 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 c'est et... c'est horrible et t'es là ah donc là c'est devenu une blague en fait ouais <laughs> donc, et euh... et il y a un autre truc aussi c'est que à la fin euh, tu sais il y a l'explosion euh, on donne un paquet à Peter Pan dans lequel il y a une bombe et il y a Clochette qui essaie de l'avertir et ça explose et il, et, mmh. et il cherche mmh. il essaie de chercher Clochette dans les décombres mmh. et il ne la trouve pas et apparemment il mmh. y a une scène qui a été coupée où euh, Peter Pan euh, était au chevet de, 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 de la fée Clochette qui était en train de mourir euh, et je sais plus ce qu'il devait lui dire ou lui chanter, je crois qu'il y avait une chanson qui faisait qu'elle euh, elle revivait mais, que... Mais là, en fait, ce n'est pas du tout expliqué. C'est-à-dire que c'est. Euh... Il, il dit juste. Euh... Il dit un truc genre. Euh... Euh, tu, es, euh... tu es la personne la plus importante dans, de, dans ma vie. Ouais. Et Ça après, que tu cut. Es plus importante euh... Cut. Et après, on passe à la suite. Et comme par magie, en fait, non, elle n'est elle est pas morte. Elle est, elle est, elle est reviendue, on ne sait pas comment. <laughs> euh... ah, tu sais que j'ai cru ouais. que j'avais eu une absence. Ah ouais, bah non, non, non l'absence c'est une scène coupée. <laughs> je me suis dit, ah c'est marrant, je me souviens qu'il était... Je me suis dit, ah putain, euh, pour une fois qu'il dit un truc mignon, tu plus importante pour moi que... Enfin, euh, blablabla. Et après, je me suis dit, ah bah j'ai dû avoir une absence parce qu'elle parce qu va bien. Elle est redevenue tranquille. Eh <laughs> bien non, non, c'est euh, une scène coupée. Ok. Allez-y. Ah, là là. ah oui, oui. Bonjour, les filles. Mais euh... ouais, de toute façon, il y a dix minutes de... avec euh, tout... De générique. De générique, ouais. Bon. Euh... Oui, zieut, quand c'est un verbe, c'est ENT, effectivement. J'apprends ça à ma belle-fille aussi. Mm -hmm. Le pluriel. Mm -hmm. euh... Et t -t on ne te jugera pas pour tes fautes d'orthographe Je... sur le chat. Je peux toi mm -hmm. euh, Ouais, bah, j'ai arrêté de te payer, moi. Hein. <laughs> attends moi la pub que j'ai vue avant le, le live euh, j'espère que ça ne lui vient pas hein. <laughs> c'est clair euh, mm. non non mais de toute façon non c'est mon compte je je euh... Euh, voilà Peter suivant. Pan euh, fait clochette euh, est-ce qu'il y avait autre chose à dire ah bah si sur fait clochette quand même que à partir de ce personnage il y a toute une série de dessins animés je pense qu'il y en a 5 ou 6 des fées oui. clochettes, c'est devenu le truc des petites filles de notre génération quand même. Oui, Peut-être la génération... Euh, pas de notre génération. Non, non, de la non, de, de, de ah. génération des, de, de nos enfants. Des, si des si nous en avions. Oui, oui. <laughs> ah, oui. euh, voilà, des, des enfants des autres. Voilà. <laughs> oh, mon dieu, oui. Quelle horreur, j'en ai vu un. Parce que je me suis dit, bon, quand même, Anissa, ne meurs pas idiote, regarde. Ouais. Et euh, j'ai trouvé ça inregardable. Ah ouais moi, j'en ai fait... pas regardé un, j'en ai entendu un parce qu'il était dans, le... dans la tablette dans vo... en voiture. Et oui. du coup, j'ai entendu. Ah oui. Bon, il était inécoutable aussi. <laughs> ben, c'est ça, c'est qu'en fait, les voix elles sont insupportables, les dialogues sont nuls. Et euh, visuellement, euh, moi, je suis pas euh, hyper fan de... du 3D bizarre, là. Oui. Ce... De ce type de film d'animation. Oui, là, ça que fait un trouve... peu les films Barbie, moi, ça me fait penser aux films Barbie. Ouais, exactement. Mmh. Ouais. Exactement. C'est vrai. Donc voilà. Non, pépé c'est compliqué. Mais les films, euh, les films de, de La Fée Clochette, ça te va Bon, après... Les euh... films, ça va. Bon, bah, écoute. Mais tu vois, euh, d'ailleurs, je ne me souviens pas si euh, dans, le, dans les films, euh, elle a ce caractère aussi fort. Euh... Il me semble qu'elle est beaucoup plus euh, sage et bon, gentille hein, dans plus les films. Doux, ouais, elle est censée être beaucoup plus douce. Hein. Ouais. En tout cas, moi, ça m'avait pas. Enfin, euh, je m'en serais souvenu si elle tuait des, des jeunes filles. Euh, oui, euh, oui, 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 c'est vrai. Bon, déjà, elle vit plus avec euh, Peter, hein, déjà, parce que possiblement. Euh, mais c'est avant Peter Pan. Ah, donc elle a quel âge Elle ben, faite non pas d'âge. <laughs> Seigneur. Elle est bienveillante avec ses mmh. sœurs. Ouais, sœurs. Sœurs. Euh, la famille Darling maintenant. Euh, donc, euh, la maman darling, le papa darling, <laughs> Wendy, Nana. Nana, Michel et Michel. John. Euh, alors, déjà, le, le, le couple, euh, la maman et le papa, bon, très très euh, cliché, et des, bon, aussi des années 50. Hein. Remettons encore une fois le film à, cette épo à, à son époque. Euh, la mère. Euh, doucement et euh, gentiment euh, soumise, euh, le père euh, colérique, mais euh, quand même un petit côté sympa, tu vois. Quand à la fin du film, il remonte Nana parce que quand même, il n'allait oui, pas la laisser hein. tout, toute la nuit, tu vois. En fait, je suis gentil. Et t'es là, oh, il est gentil en fait, voilà. Ouais. Euh, et qui cherche ses boutons de manchette euh, en disant, euh, si j'ai pas mes boutons de manchette, je ne sors pas. Bon, bref. Euh, pas très ouais, facile, une... Ouais, pas pas super. Dans la pièce. C'est le même acteur qui joue euh, le papa Darling et le capitaine et Crochet. Crochet. Et c'est dans mmh. le dessin animé, c'est la, la, la personne qui, qui fait aussi les deux voix. Euh, mmh. Donc c'est aussi, je trouve, symbolique de euh, bah, l'idée que euh, l'auteur de Peter Pan euh, ouais. se fait d'un père. Ce père, c'est quand même, même l'antagoniste. Hein. c'est pas, euh, pas le mec sympa. Mmh. Ah non mais c'est clair il y, a, il y a un vrai euh... il y a un vrai Oedipe, là derrière enfin il le ouais, il est dans les deux sens. Genre euh, dans Oedipe, en fait tu peux tomber amoureux de l'un et tu peux aussi détester l'autre. Ah oui vouloir tuer l'autre oui oui voilà. oui en, en mode je suis en quête de la mère et je suis prêt à tuer le père pour pour cela. Ouais ouais complètement c'est vrai c'est vrai. Euh... Et, et je voudrais bien savoir euh, de qui c'est le gosse le, le petit dernier parce qu'il ressemble ni au père ni à la mère quand même. <laughs> Mais ça ça peut arriver ça, peut. <rire> arriver. <rire> euh... Donc ensuite il y a les, les trois enfants, les trois protagonistes, euh, Wendy qui est donc une deuxième maman hein, clairement euh, euh, Micka... non, euh, Mich... euh, non, John à gauche avec les lunettes et Michel, le Petit, donc Michael en anglais. Euh... Bon, Qu'est-ce qu'il y a à dire sur eux C'est des enfants, quoi. Oui, ouais, et... je les aime bien. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas une personnalité euh, très attachante, quoi. Moi, j'aime Jean. Jean, c'est le plus vieux, hein, si je me souviens bien. Oui. Euh, moi, j'aime bien Jean, en fait. Je ne sais pas pourquoi, Jean, parce ouais. qu'il a une tête de premier de la classe et euh, il a l'air assez droit dans. Bon ses valeurs, je sais pas, je l'aime bien. Alors que ouais. moi j'aime Michel parce que il est mignon, qu'est-ce <laughs> qu'il a un bébé, ouais, qu'il est mignon. Et, et, et c'est vrai que. que c'est bébé que Tilio. <laughs> non non mais moi je les aime bien tous les deux en tout cas. Je ouais je les aime bien. D'accord, ok. Euh, moi, ce que celui que je préfère, euh, je, je pense qu'on va pas être d'accord, mais moi, c'est Nana. <laughs> mais je sais, c'est pour ça que j'ai dit que vous alliez me détester. Mais moi, oui, je, tu dis je, que c'est bizarre, et, franchement, j'ai revu la, la, la scène en pensant à ce que tu avais dit la dernière fois. En disant dit quoi? que c'était bah, que c'était bizarre hein, qu'une hein? un chien soit la baby-sitter, bah, oui. hein, alors à ses et tout. C'est très, très gênant. Mais moi, j'ai pas trouvé ça gênant du tout. Ah, ben bah, écoute, tu vois, j'avais oublié que je l'avais dit et j'ai ressenti. Ah, et je me suis dit, ah, c'est vrai, tout le monde aime Nana, voyons. Alors, moi, je précise que euh, j'aime bien Nana dans Hook. Tu vois, enfin, j'ai aucun problème avec Nana dans Hook puisque dans Hook, euh, c'est un chien. Voilà. Euh, là, euh, mais elle n'est même pas attachante en fait, c'est juste la boniche. Enfin, tu ouais, vois. Elle... Si, elle est mignonne. Bah, en fait moi je me, je me suis ancrée dans les souvenirs des autres qui disaient ah oh, nana elle est trop bien elle est trop bien elle est trop bien je m'attendais à ce que tu aies trop envie de lui faire des câlins et tout machin la meuf elle leur donne de l'huile de foie de morue euh, elle, elle, elle fait le elle range à leur place et elle leur fait même pas un gros câlin euh, tu vois elle se couche pas avec eux dans le lit enfin tu vois je sais pas je je l'ai pas trouvé attachante quoi Enfin, mais après j'avais une attente parce que vous vous m'aviez tous dit oh on adore Nana donc j'avais une non, attente on n'a pas dit on adore après... Nana on a dit on peut pas ne pas aimer Nana enfin je sais, Nana elle est elle est mignonne quoi c'est Nana euh, comment tu peux dire euh... Euh, je l'aime pas <laughs> bah par contre ben je... tu vois, ce moi que... c'est la femme de ménage et... ce que je veux dire c'est enfin... que c'est qu'il a pas ouais. je pense pas qu'il y a un... un super enthousiasme autour de Nana comme quoi c'est pas comme Mouchou tu vois Mouchou moi mais je suis super enthousiaste et... sur Mouchou mais pas sur Nana. Mais par Moi, contre... je suis très anti-enthousiaste sur Mouchou. Mais euh, voilà. sur Nana, je n'ai pas d'avis. Mais c'est juste, j'étais là, euh... ok, surcotée, quoi, Nana. Oui, alors surcotée, <laughs> c'est sûr, puisqu'on la voit apparaître au début et à la fin, elle, 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 ne, elle ne les suit pas euh, au Pays Imaginaire. D'ailleurs, mmh. j'ai lu que ça, c'est quelque chose qui avait changé. Alors, je n'ai pas compris si c'était quelque chose qui avait changé pendant l'écriture du scénario de Disney ou si, si ça changeait par rapport à la pièce originale où Nana suivrait. Mais en tout cas, euh, l'idée, c'est bien que euh, Nana, elle est là comme un chien/slash nounou. Et c'est pour ça qu'elle mmh. s'appelle Nana d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ça rentre encore dans euh, les parents qui ne font pas leur boulot, puisqu'elle fait clairement le boulot oui. des parents. Elle connaît mieux les, les enfants que les parents. Elle connaît mieux leurs besoins que les parents. Les parents, ils sont, ils sont absents. Ils, les laissent, mmh. ils, ils laissent leurs enfants. Euh, comme ça, bah, en plus, ils enferment le chien, ils, ils laissent leurs, leurs enfants euh, seuls, ils partent, donc ils sont clairement défaillants en tout cas dans l'idée qu'on peut mmh, en faire. Tout à fait, tout à fait. Alors que le, fait. alors que le chien, il je dire, il, est, il est présent, donc ils sont ils sont moins mmh. bons parents qu'un chien quoi. Elle prend soin des alors... autres. J'entends. Mais pour moi, c'était juste pour pas créer un personnage de de, 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 de bonne. Enfin, je, je reste vraiment sur les mots de, de l'époque. Hein. Mm. De... Mais tu vois, euh, moi, j'ai l'impression que c'était juste euh, ah ben pourquoi euh, faire un personnage qui serait une bonne euh, Faisons un chien, ce sera plus attachant. Et euh, en fait, moi, je le, je le vis comme ça, euh, sachant que euh, euh, sachant que euh, euh, à cette époque, euh, c'était quand même de, de, des grands bourgeois, donc je pense qu'il n'y avait pas de parents euh, beaucoup plus présents. Euh, euh, voilà quoi. Mais, mais euh, tranquille, hein, euh, Nana, euh, elle, elle, est, elle est toute mignonne, <laughs> surtout dans Hook. Mais dans Hook, elle est beaucoup plus mignonne. En plus, une des, une des, des blagues que je préfère dans Peter Pan, c'est quand euh, le, le, le père et le chien euh, tombent. Et que euh, et qu'ils accourent et, et que le père croit qu'ils vont qu vont venir le, le secourir enfin voir s'il va bien et qu'en mmh. fait tout le monde va voir le chien Alors même sa femme même oui, le chien moi ça me fait trop rire non non c'est vrai que cette scène elle est mignonne elle m'a fait rire mais j'avais un peu tiep pour le, le papa quand même mais c'est vrai Nam il remarque que tu n'aimes pas beaucoup les animaux dans les Disney mais de si, façon générale j'aime beaucoup d'animaux j'aime euh, Gus Gus j'aime Koda J'aime Pascal. Il y en a plein que j'aime. Coda, c'est juste tu... que... Dites à mes amis que je m'en vais. Que je pars. À... Bon, ok. Les... Dans deux semaines, on fait les Frères des ours. Hein. Ah oui. Ok. guess. Tu guess. Tu peux ajouter Frères des ours pour, ce... pour les vacances <laughs> Je pensais qu'on allait faire euh, Raya. Okay. Non, mais on peut faire Raya. C'était une, une blague. Euh, gus Gus. Ah ouais, Gus Gus. Faudra qu'on fasse le classement des meilleurs sidekicks. Tu sais, notre, notre top 20 ou un truc comme ça. Oh, J'adore les sidekicks. Ah ouais. Surtout les humains. Ah ouais, on va reparler de Mouchou là. <laughs> on va parler oh. de. Comment il s'appelle euh... oh, comment il s'appelle euh, Le chien dans, euh, dans Tarame. <laughs> ah, j'ai cru que tu allais parler de... de la poule dans Vaiana. <laughs> De la poule hey, en. Hey hey. The way, way, yeah, yeah, hey hey! Hey hey! <laughs> non, je parlais de Gurki. <laughs> Mon dieu, bon, de toute façon, en effet. Hein. <laughs> bon, on ne te fera pas Allez, changer d'avis sur, sur Nana, mais en moi, je, je l'aime beaucoup. Mais je suis non, triste, triste qu'elle n'aille pas avec eux au pays imaginaire. C'est trop triste. Oh. Euh, le les prochains personnages, ce sont les pirates. Euh, le clan des pirates, donc il y, en a, il y en a plein. Et surtout, il y a euh, le capitaine Crochet et son euh, doux compagnon, euh, Monsieur Mouche. Euh, alors, tu vas nous expliquer pourquoi tu, pourquoi tu les adores. Moi, il y a un Mais truc je... qui m'a vachement perturbé en regardant Peter Pan. C'est la voix de Monsieur Mouche, c'est la voix du papa de Jasmine. Ah oui c'est vrai. Tout à Et fait. alors là alors, en je, même je, temps c'est les même mêmes personnages. Pas... Hein, petit. je bah, voilà blanc, euh... il a la voix du petit gros. <laughs> mais euh... oui. mais, euh... mais ouais ça m'a vachement perturbé. Mm. Non mais je comprends je comprends. Parce bah, qu'il a vraiment moi... les mêmes intonations le... enfin, c'est comme s'il avait le, vraiment le même caractère en fait alors que c'est quand même euh, différent. Donc, oui je euh... vois. Donc, voilà. Mais alors bah, comme j'ai la marque de Hook moi je, tu vois quand je vois Monsieur Mouche j'ai vraiment en tête aussi celui du film donc euh, je j'ai même pas tilté tu vois que c'était la même voix avant mmh. que tu me le dises donc ça va euh, pourquoi je les adore parce que ils sont crédibles en fait ils sont crédibles ils sont euh... Euh, je sais pas, euh, tu vois, euh, par exemple les pirates, il euh, y a un moment ils sont ils sont là, euh, pourquoi c'est nous qui travaillons et lui, il, il se, je veux dire, tous la nouille et ben je l'ai dit, euh, il il faut rien, et ben euh, tu vois, je, je trouvais que tu vois, c'était crédible quoi, il y avait un vrai truc, euh, 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 le fait qu'il aime pas Peter Pan, je me reconnais en lui, j'étais là, non mais tellement, tu vois, on a la même veste aujourd'hui, tu vois, ça, hein euh, mais non non, je, je les trouve crédibles. Et donc, aussi, tu, donc je... tu aimerais un méchant de Disney. Et, ouais, et je suis éperdument amoureuse de la version euh, du crochet dans, euh, dans Hook. Donc, par définition, ça découle sur le crochet de Disney. Et, euh, et voilà. En bien. En oh, très bien, oui. J'adore. Donc, oui, c'est peut-être un de mes méchants Disney préférés. Ouais, Alors, sur la, sur la, la production, ils disaient qu'ils avaient eu du mal à euh, décider si, si euh, crochet devait être un un vrai méchant pirate qui fait peur ou un espèce de dandy anglais euh, un peu rigolo ouais. quoi. Et euh, bah, il est un peu des deux. Hein. Et au final, voilà le, la personne qui a, je ne sais plus comment il s'appelle, mais la, le, le Peter Pan, je crois que c'est un des derniers, voire le dernier euh, dessin animé qui a été animé par les neuf sages là de Disney, c'est ouais. tu sais, le, le clan des neuf animateurs, les, les vieux de la vieille. Euh, et, et donc, un des neuf qui a, qui a animé euh, euh, Capitaine Crochet. Et ce qu'il disait que le plus difficile avec Capitaine Crochet, c'était ses cheveux noirs. Parce qu'en fait, pour le, chaque fois qu'il bouge, il, va, il fallait à chaque fois re, re, refaire sa chevelure noire. Donc, ça demandait beaucoup, beaucoup de dessins et donc d'argent. Et, euh, et que dans les scènes très sombres, en fait, ses, ses cheveux ne, ne sont pas distingués. Et ça, ils s'en sont aperçus qu'à la toute fin de la production. Donc euh, voilà. Rôle. Ouais, c'est rigolo. Ouais, tu vois, ça ne m'a pas... même pas choqué. Mm. Euh... Mais tu vois, je pense que plus jeune, j'avais pas du tout cette vision-là. Mais en tout cas, en tant qu'adulte, euh, ouais j'aime beaucoup ce méchant. Quoi. Et je crois que j'aurais bien voulu être une pirate, tu vois, moi, dans euh, entre... entre les différents mondes. Enfant perdu, ça m'aurait bien plu, mais pirate, ça m'aurait bien plu aussi. Ouais. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai pas dit, je crois que c'est dans où où on fait la référence où je l'avais lu quelque part, euh, où en fait, euh, ben, les enfants perdus quand ils vieillissent, ils deviennent pirates par définition ah ouais en fait, parce que dans, le, dans ce monde-là, les seuls adultes qu'il y a, c'est les pirates. Et donc euh, par définition, et c'est pour ça aussi que Peter Pan tue les euh, quand ils grandissent parce qu'ils deviennent pirates. Mmh. Ok. Voilà. Et donc les pirates, c'est pas bien, c'est méchant. Bah vu que c'est des adultes, oui. CQFD. D'accord. Ouais, moi je ne sais pas trop quoi penser de Capitaine Crochet et Monsieur Mouche. Je les trouve drôles. Je, les, je trouve que plus... les scènes sont très drôles. Euh... C'est une vraie relation de couple. Voilà, après il y a ce, ce sujet-là. Assez... Moi je suis toujours naïve, et, mais j'étais assez étonnée de voir que c'était un vrai, un vrai truc qui avait été souligné le, la présence de, de l'homosexualité dans Peter Pan le Fait que Peter Pan serait homosexuel parce qu'il ne s'intéresse à aucune femme et qu'il ne veut il ne pas grandir pour ne pas s'engager parce qu'en fait il est homosexuel. Que euh, est Capitaine Crochet et euh, Monsieur Mouche, c'est euh, la, euh, la relation euh, homosexuelle euh, d'un dominant et d'un dominé. Euh. Je là, genre, euh, ah bon ah, ok, euh, <laughs> moi je l'ai enfin, je, je dit là parce que je trouve que leur relation elle est marrante, quoi. Enfin, ça fait vraiment relation de couple, quoi il y a celui qui qui euh, dirige et, et, et celui ouais. qui prend soin quoi ouais, ouais. Et, euh, mais et je trouve que dans Hook aussi ça se voit beaucoup donc enfin euh, mais c'est vrai que ouais c'est vrai mm. euh, je sais pas pour pour, euh, pour 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 Peter je le vois plutôt comme un narcissique moi hein, donc un... ouais. pas forcément en euh... fait c'est un enfant donc il s'en fiche. Quoi. ouais c'est ça ah oui, Peter Pan aussi. C'était rigolo dans les, dans les pièces de théâtre, il était toujours joué par une femme pour symboliser le fait justement qu'il est qu'il qu 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 était bloqué dans, dans sa dans son... son monde d'enfant. Voilà, dans, dans son, son monde d'enfant, sa voix d'enfant. Et du coup, c'est la première fois que là dans, dans Disney, il était vraiment euh, un homme quoi. Tu vois. Je trouve ça rigolo aussi. J'avoue. Euh, les enfants perdus. Moi, je les adore. Je les adore, mais parce qu'en même temps, c'est des petits orphelins. Tu veux, tu veux faire quoi <laughs> C'est vrai. Ils peuvent mal tourner de ouf. Enfin, c'est des enfants perdus, quoi. Non, enfants, euh... leur, leur combi est mignonne. Ça me fait penser au pyjama ouais, de est Todd. Vrai. Petit <laughs> clin d'œil. <laughs> T'as lesquels, Todd Est-ce que tu serais <laughs> renard ou est-ce que tu serais plus toi, <laughs> petit lapin <laughs> euh... Ouais non non mais je trouve que en fait alors moi je fais beaucoup le parallèle aussi historique c'était sortie de guerre il y a beaucoup d'enfants qui étaient orphelins qui qui avaient perdu leurs parents alors je parle plutôt aux États-Unis mais euh, qui euh, vivait dans la rue, euh, qui était un peu euh, brigand. Moi, je suis une grande fan de la comédie musicale Annie. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui, ça me parle, mais je l'ai jamais euh, vu. Euh, voilà. Mais la, la vraie vieille. Hein. Et, mm. euh, et je trouve que ben en fait c'est exactement It's le type de profil que tu retrouves. As... Exactement. It's a time. Je connais la version française. <rire> 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 Et, euh, et euh, je trouve que voilà, c'est des, des, des enfants qui ont, été, euh, ben, qui ont dû survivre dans la rue, quoi. Et donc euh, là, c est, c est, je trouve que c'est une façon de, de faire un parallèle un peu sympa, quoi. Ouais, voilà. euh, en fait, moi, ça m'a donné envie de m'intéresser euh, un peu plus à l'œuvre originale parce que Peter Pan, quand même, ces enfants-là, en fait, euh, il, les, il les a kidnappés. Alors, soit parce que c'était des enfants effectivement orphelins. Euh, qui qui n'avait nulle part où aller ou quoi et qui donc il, il les il les ramène dans ce pays imaginaire donc euh, ça fait de lui un saint euh, mais est-ce que est-ce que c'est pas des gens des, des enfants qu'on a enlevés à leurs parents tu vois c'est je sais pas trop bah c'est vrai que et, maintenant ouais. que je le dis oui ce serait possible ah hein. oh, ce serait un kidnappeur d'enfants bah ouais un peu quand même bah, je sais pas, parce que moi, de ce que je trouve... C'est quand même un... un mec okay. qui veut ramener tout le monde à sa cause, tu vois, de, euh, de faut pas d'adultes, il faut que des enfants, et il faut être bloqué en, en enfant donc... Euh... Ouais, je crois que dans Hook, enfin, euh, dans... Tu sais, il y, y a des conversations un peu avec les enfants, et ce qu'on comprend, c'est que souvent, c'est des gens qui ont perdu leur, leurs parents, ouais. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'y avais pas réfléchi comme ça. Euh, pour le coup... Euh, euh, Peter, lui, s'est vraiment enfui. Lui, il voulait pas grandir, donc il mmh. s'est enfui. Mais, euh, mais c'est vrai que j'y avais jamais réfléchi comme ça. Et là, ce serait un trop bon euh, creepypasta. Tu sais. ouais. L'enfant qui kidnappait des enfants. C'est ça. Ouais. Euh, et puis ensuite, nous avons le... bah, les Indiens. Ils méritent un su... enfin, Le qui, moment euh, gênant. Ont... Qui ont gagné euh, le droit d'avoir un super message avant de débuter le film. <laughs> Oui, 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 bah oui, oui, heureusement. Euh, mmh. Ouais. Bon, bah, là, voilà, encore une fois, 1953. On sait à quel point Disney, ils pas très bon euh, à l'époque euh, sur, euh, oui. sur ces okay. sujets-là. Et euh, encore, ils l'ont fait belle, hein, Lily. Lily, elle est magnifique. Mmh. Elle est magnifique. Ils l'ont fait belle. Bon, les peaux rouges, très rouges, mais. Voilà. Après, oh. euh, après, oui, ça reste. Mmh. Oui. Bah, écoute, moi, ma scène préférée, elle est liée aux Indiens, c'est quand, euh, tu sais, euh, ils attachent euh, les petits et que les petits disent euh, Bah oui, euh, euh, on, joue, euh, on joue toujours et en fait, des fois, c'est nous qui gagnons, des fois, c'est eux qui yeah. gagnent et après, ils nous, li il nous libèrent et on recommence. Mmh. Hein. Et, euh, et j'aime bien parce que, tu sais, ça fait genre bah, les Indiens. Euh, s'occupe je... un peu aussi des enfants ouais. et joue avec eux quoi et, euh, et donc voilà j'avais bien aimé ce passage là je l'ai peut-être surinterprété, suré... suré... mais euh... mais j'aimais bien c'est vrai que c'est vrai que ce moment là il m'a touchée aussi mais bon vu qu'après le méch... le... Enfin, le méchant le chef il dit euh, pas cette fois <laughs> du coup euh... je comprends pas trop leur présence dans le monde imaginaire ouais et, pas pas fond, hein. ah, et ça je ne connais pas euh, l'histoire euh, dans euh... Dans l'œuvre originale, j'ai rien lu dessus. Donc, bah, euh, ouais. si on part du principe que c'est les gens exclus, parce que genre euh, les pirates, c'est un peu, euh, voilà, les hommes, euh, les hommes ouais. adultes exclus, les enfants perdus euh, exclus, euh, et les Amérindiens exclus. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Hein. ouais, la symbolique est bizarre. Ouais. Ouais, et les sirènes, c'est bon, imaginaire quoi. Ça a du sens. Ouais, c'est vrai. En vrai, fait, ça, ça, ça donne un petit côté, je trouve, Alice au pays des merveilles, en mode de, je rencontre plein de gens ou de choses qui n'ont rien à voir <laughs> les uns avec les mmh. autres, et tout ça, ça fait une histoire. Bon, heureusement, il y en a moins que dans Alice. Et il y a une histoire que je trouve qu'il y a quand même un fil rouge, il y a une histoire mmh. qui, qui est, à mon sens, plus intéressante. Mais euh, mais ouais, bon. Euh, ouais, oui, Lily euh, est très mignonne. Euh, elle danse, bien entendu, pour Peter Pan aussi. Euh, mm. C'est Wendy, du coup, qui est jalouse à ce moment-là. C'est mm. Wendy qui est jalouse de, de Lily, la tigresse. Tout ouais. à fait. Tout à fait, tout à fait. Et puis, ben, pour terminer, euh, nos petites sirènes mm. Voilà. Bah, Donc, qui ressemble euh... aux petites sirènes de la petite sirène, non, un peu Aux, aux sœurs, hein, je pense qu'elle. C'est vrai, je me suis dit aussi, ils ont, quand ils ont développé la petite sirène, ils ont dû aller regarder ce qu'ils avaient fait pour Peter Pan, pour s'en inspirer un petit peu, effectivement. Euh... Pff, bah, le seul le truc cadoles, que je me suis quoi. dit, c'est... <laughs> J'aime bien leur voix, mais c'est des vraies euh, pestes, pour oh, rester voilà. poli. Et, euh, et, et c'est chiant en fait de... En fait c'était chiant de voir que des meufs vénères quoi, dans ce, dans, ce, dans ce dessin animé. Ouais, ah non mais la représentation de la femme là-dedans c'est vraiment moche. Euh, ouais, donc pas grand chose à dire sur les sirènes, si ce n'est que euh, encore... Un... Mm. Le cliché de la femme euh, bah, déjà magnifique, bon ça encore, pourquoi pas. Euh, Jalouse, peste, euh, méchante, euh, méchante bien entendu entre entre femmes. Ouais. Possessive, possessive, euh, qui cherche aussi à avoir euh, la main sur, euh, sur Peter. C'est ça. Mais je trouve qu'elle est et en plus qui jouissent d'une espèce de aura et de, 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 mmh. de, de bonne réputation parce que Wendy elle est trop heureuse de le rencontrer des sirènes de voir des sirènes pour la première fois. Donc c'est triste. Bah, en plus, je me suis fait la réflexion euh, parce que c'est elle qui raconte l'histoire à chaque fois et tout machin. Et je me suis demandé si, euh, mais peut-être parce que j'ai eu une absence aussi au début, si elle racontait les histoires parce qu'il y avait le livre Peter Pan ou elle racontait les histoires parce qu'elle les inventait, enfin euh, elle les avait imaginées et tout. Et à un moment, je me suis demandé, mais pour peu, euh, Wendy, en fait, c'est la créatrice. Enfin, ah. tu, tu vois, comme bah, dans euh... l'histoire sans fin, quoi. Mais. Euh... Bah, en fait, pas forcément parce, ou alors parce que sa mère connaît, enfin, connaît aussi Peter Pan, enfin, dit euh, la mère de Wendy, dit, 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 euh, enfin, elle ne le dit pas, c'est la voix off qui le dit, mais que pour, pour, pour la mère de Wendy, c'est euh, l'esprit euh, de l'enfance, ou un truc comme ça, l'esprit de, de l'aventure, et que le, le père ne ouais, croit beau, pas quoi. du tout. Et à la fin, le père en va fait, dit ah bah en fait si ça me rappelle quand j'étais petit <laughs> donc mm. euh, donc c'est comme s'il ah, ouais, oui. existait quand même euh... mm. mais que pour les enfants yes comme la petite souris euh, alors les thématiques que bah, que l'on aborde on en a abordé quelques unes on va aller un peu plus en profondeur la première okay. <laughs> qui est quand même très voyante, c'est euh, puisqu'on en a fait un syndrome. <laughs> c'est oui, le premier. Ça. Je pense que c'est le premier dessin animé qui est devenu un syndrome. <rire> après, <rire> euh, il a gagné. Euh, il a gagné ça. Euh, ça s'appelle le syndrome de Peter Pan. Euh, c'est euh, ça a été théorisé par euh, Dan Kiley ou K Kiley, ouais, je pense, euh, en 1983. Euh, J'ai noté les différents stades. Euh, parce que je trouvais ça intéressant, je ne sais pas si vous arrivez à lire, euh, mais selon Kayle, il y aurait plusieurs stades. D'abord, il y a des premiers symptômes de 12 à 17 ans qui sont euh, irresponsabilité, angoisse, solitude et conflit face au sexe. Ensuite, de 18 à 22 ans, narcissisme, misandrie ou misogynie. Okay. 23 à 25 okay. ans, euh, on se plaint d'une insatisfaction face à, euh, à la vie. Inadaptation au monde extérieur. De 26 à 30 ans, dé Alors, ils disent début de la phase chronique du syndrome, jouant l'adulte mûr. Bon, okay. Et à partir de 45 ans, l'adulte peut tenter de retrouver son enfance face à un style de vie qu'il n'a pas choisi. Avec la culpabilité d'avoir perdu des années, la dépression et l'agitation euh, dont fait preuve l'individu augmentent avec l'approche de l'andropause, qui est euh, apparemment le, le, le pan masculin de la ménopause. Euh, mais en tout cas, en, quand tu regardes les trois premiers stades, bah, tous les thèmes euh, apparaissent ouais. dans, Peter, dans Peter Pan quand même. Clair. Fin, donc Peter est euh, tout à la fois. Ouais, ouais, le syndrome porte bien son nom. Il a bien étudié ça. le dessin animé. Euh, même quand il fait jouer l'adulte mur, tu sais quand il revient de chez les Indiens là avec euh, avec ouais. truc de chef et qu'il essaie de justement faire le, ouais. le, le mur. Non, non, je pense que c'est vrai. Ah ouais. Il est bien représenté. C'est ça. Et, alors, pour info, ce n'est pas un syndrome reconnu vraiment par la, euh, par la, par la psychologie euh, cl clinique, euh, dans le sens où il n'y a pas assez d'études, en fait, euh, sur, euh, sur ce syndrome, sans doute parce qu'il n'y a pas assez de cas. Enfin, qu'il n'y en a pas assez. Qu il y en a pas, euh, ou qu'il y en a trop. Euh, ou qu'il y en a trop, c'est vrai. Non, mais je veux dire, il <laughs> y a des trucs sur lesquels... Tu vois, irresponsabilité de l'individu entre 12 et 17 ans, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve assez... C'est assez difficile de dire que tu es irresponsable euh, euh, hors d'une norme. Je ne sais pas si je suis très claire. Ouais, mais... ouais, ouais, ouais c'est sûr. Ouais. Et euh, pareil pour les autres symptômes, quoi. Mais ouais. ouais. Donc, euh, donc, ouais, cette, cette envie de ne pas grandir. Et je l'ai aussi dit au début, hein, ça, c'est quelque chose qui est pris dans l'œuvre de James Matthew Berry, euh, Le fait de, bah, de vouloir rester enfant pour... Euh, bah, pour t lui, pour tenter de d'apaiser les souffrances de sa maman. Mais, mmh. euh, ouais, c'est euh, triste, en fait. C'est... Ouais, bah, c'est clair. clairement triste. Bon, en tout cas, c'est pas une personne qui, qui se... Enfin, c'est pas une personne qui trouve euh, du, du bonheur en fait dans la vie quoi. Euh, on, ouais. est, on est sur, enfin euh, ça fait très pathologique quoi. C'est un en fait, de pathologie. ce que je me suis dit, c'est que ça donne l'impression que euh, les adultes qui euh, qui ont, qui auraient euh, le syndrome de Peter Pan, donc bloqués dans l'enfance, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais eu une enfance et qui essaient d'en trouver une parce que ouais. finalement, euh, James Matthew Berry, il a vécu un deuil à 6 ans. Euh, il a dû prendre une responsabilité, ou il a pensé qu'il devait prendre une responsabilité qu'il n'avait pas à prendre, alors qu'il n'avait que 6 ans, je le rappelle. Donc, en fait, l'enfance, il ne l'a pas eu Donc, il est resté bloqué dans un truc qu'il qu ne connaît pas. Enfin, tu vois, c'est. Mmh. Ouais, c'est assez clair. terrible. Donc, les enfants, profitez de votre enfance, et puis après, vous grandirez, et c'est bien aussi. Mais tu vois, ça, c'est quand même un sujet, parce que. Je. Par rapport aux enfants, tu vois, quand tu leur dis, euh, enfin, souvent, moi, j'essaie je, je, de responsabiliser mes, mes belles-filles en disant, mais maintenant t'as, as 6 bah, ans maintenant, donc, sinon, euh, on est grand. Et il y a ce côté, ben, bah, ah, mince, euh, j'ai envie d'être grande, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des responsabilités qui vont avec. Donc, il faut toujours arriver à mesurer le, euh, bah, tu grandis et grandir c'est bien et ça, mais ça, ça demande aussi des, 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 voilà, des responsabilités. Enfin, euh, tu vois, de valoriser le fait de grandir. Parfois, c'est pas, pas facile. Et les enfants, ça arrive aussi que, très souvent qu'ils fassent des, euh, des régressions. Quoi C'est. Euh, euh... Mais ouais, d'un coup, euh, à 12 ans, ils vont se mettre à, à faire pipi au lit mmh. parce que, euh, parce que n'ai j'ai plus envie de grandir, quoi. Mmh. Ouais, enfin, clair, normalement, ça se, ça se règle vite. Mais, euh, mais ouais, c'est accompagner l'enfant en, vers euh, la vie adulte, c'est pas, euh, c'est pas simple. C'est pas toujours simple. Exactement. Ouais. Oui. Le deuxième thème que j'ai noté, c'est euh, le thème de la maternité. Alors, il y a la quête de la maman, et mais du coup, je trouve que ça donne une idée de c'est quoi être une maman, c'est quoi ou c'est quoi avoir une maman. Et, euh, et on a cette scène. Euh, où euh, Wendy veut mettre euh, les enfants euh, au lit et qu'elle leur, leur chante une douce chanson et tout et euh, je trouvais ça euh, mignon après c'est peut-être un peu cliché mais mais au final c'est oh très quoi, mignon c'est quoi être euh, c'est quoi avoir une maman c'est si ce n'est euh, avoir quelqu'un qui te une histoire euh, qui te caresse un peu les cheveux euh, avant de faire avant de faire dodo quoi moi, je trouvais que c'était un peu euh, déplacé dans le sens où elle parlent le lendemain, quoi. Et, euh, et, et où eux, ils vivent sans. Donc, euh, ils, je ne vais pas dire qu'ils en souffrent pas, parce que bien sûr, ils en souffrent, mais ils n'en ont pas conscience. Ouais. Et euh, là, de leur dire, non, mais en fait, tu vois, si tu avais une maman, et eh ben, elle te ferait ça. Tu T'en as pas. Dommage. Ouais, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais ah. ouais, vrai. <laughs> non, mais après, je, je il y, y a beaucoup de scènes qui, que je trouve cruelles dans, dans ce dessin. Mais, mais, euh, et je pense qu'elle le voyait pas comme ça, hein, de toute façon, mais, euh, parce que je, je crois qu'elle avait dans l'idée de partir avec eux. Hein. Bon. Euh, oui, elle voulait qu'ils viennent avec eux. Avec, mmh. euh, ouais. Ouais. Mais, euh, mais c'est aussi que, il me semble que cette scène, elle suit justement la scène des Indiens. Et, qu est, et que mmh. ce départ est un peu précipité par le fait qu'elle a été jalouse de Lili la tigresse au départ tu vois elle est un peu, elle est un oui, peu fâchée après, après Peter et puis quand il lui dit allez mais qu'est-ce qu'il y a et tout elle lui dit oh, mais non, de toute façon il faut qu'on de... qu reparte demain il faut qu'on rentre mmh. donc euh, c'est ça qui est un peu, qui est un peu bizarre euh... est, euh... puis après je redeviens la gentille maman mais quand même euh... quand même euh... je suis jalouse oui ouais, c'est clair donc, euh... Non et même euh, ouais. quand elle rentre après moi j'ai été un peu euh... En fait, j'étais un peu blasé par elle, quoi. Euh, quand elle rentre euh, et qu'elle raconte à ses parents, euh, elle a Ah et Peter, c'était le plus merveilleux. Mmh. Et était là. Euh, Excuse-moi, c'est ça le souvenir que t'as de ton expérience Parce que ton mmh. expérience, ça s'est pas du tout passé comme ça. Hein. J'étais là, je l'ai vu, et clairement, c'était pas oh. une super expérience que t'as vécue. Hein. Mystique. Euh... Ouais, mais tu vois. Euh... Wendy, c'est quand même une, une, une enfant qui n'est pas une enfant, quoi. C'est une enfant, c'est mmh. une maman en fait. Tout à fait. Et je ne sais pas si toi, tu as, as, as ça d'ailleurs. Tu as, as une petite sœur, toi, Anissa. Hein oui. Et je ne sais pas si toi, ça te fait, ça, mais moi, j'ai eu des, des copines ou quoi qui avaient des petites sœurs qui avaient genre 5 ou 6, euh, 6 ou 7 ans d'écart. De, et. Euh, et, et elle se comportait maman. comme une petite maman voilà de euh, bah moi je, vais, je vais regarder été... qu'est-ce qu'elle va faire comme études je vais l'aider dans dans ses dossiers tout ça et moi ça m'a toujours mis vachement mal à l'aise alors déjà parce que moi je suis la petite dernière donc moi je je connais pas du tout ça j'ai ouais. j'ai pas ce truc de d'être une grande sœur mais aussi parce que moi mes frères ils, ils sont ils sont ils ont jamais fait ça euh, ouais. pour moi tu vois de, de, de... parce qu'en fait c'est des... déjà hein, c'est des garçons et puis enfin euh, tu vois c'était bah moi j'ai j'ai des parents et moi, je me suis toujours dit, mmh. mais en fait, euh, c'est le rôle de, de tes parents, c'est pas ton rôle à toi de t'occuper de l'orientation de ta petite sœur, en fait. Et ça m'a toujours bah, mis mal à l'aise. Mmh. Bah, ça dépend. Moi, euh, en l'occurrence, je suis l'aînée. Euh, euh, ma sœur et moi, on a 9 ans d'écart, mmh. euh, parce qu'il y a mon frère qui a 2 ans et demi de moins. Euh, et en l'occurrence, moi, j'ai été euh, une vraie maman petite-maman, parce que euh, ma mère, elle a fait un, un baby-blues euh, à, à sa naissance, et donc, euh, en fait, pendant plusieurs années, ça a été difficile pour elle. Et donc, c'est moi qui me suis occupée de, de ma petite-soeur. Ma petite-soeur mmh. qui a 25 ans et que j'appelle bébé. Hein, euh, et, euh, et donc, euh, moi, j'ai eu ce rôle-là parce qu'en fait, ma mère ne prenait pas... En tout ouais. cas, elle était en difficulté pendant quelques années et, et elle avait besoin d'un soutien. Et donc, j'ai été soutien. Euh, en même temps, mère célibataire euh, de, 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 avec trois enfants... Hein, euh, et, euh, et le deuxième point, c'est aussi que moi, j'ai été la première à faire des grandes études, enfin quand je dis grandes études, à avoir un master, quoi, euh, euh, et même déjà avoir mon bac, euh, et ma mère, elle a arrêté au, au CM2. Donc moi, ma mère, en matière de conseil pour mes études, elle m'a dit, tant que c'est gratuit, fais ce que tu veux, mmh. euh, et tant que tu vas le plus loin possible, fais ce que tu veux. Mmh. Euh, et je précise que... Tant que c'est gratuit, quand elle a appris que la fac c'était 200 euros euh, l'inscription, elle m'a dit bah non, on n'a pas 200 euros, tu mmh. vas pas à la fac, quoi. Euh, bon, en l'occurrence, j'étais boursière, donc euh, c'était donc bon. Mais euh... Donc ma sœur quand euh, elle elle a grandi, moi j'étais là euh, ben non, je vais lui donner de meilleurs conseils parce que moi j'ai galéré ah ouais. à la fac à trouver ma voie et tout. Donc euh, j'ai pris cette responsabilité là de l'accompagner. Euh, ma, ma sœur elle hésitait entre être coiffeuse et devenir chercheuse en sociologie. Autant te dire que <laughs> il, il fallait quand même la guider et lui donner les bons éléments pour que en tout cas elle avance sans avoir de regrets quoi. Mm. Donc voilà. Euh, désolé pour ce monologue, mais euh, non, mais dans le la sens où mais euh... la, respons la, respons la responsabilité, tu l'as, tu l'as eu très tôt et tu l'as ouais, prise sans compte la, sans compte la demande non, quelque non, non. part, mais euh, tu l'as prise parce qu'il fallait l'apprendre. Moi, euh... ouais, ouais, tout à fait. Mm. Mais euh, mais en plus, j'étais assez fière hein, de pouvoir montrer l'exemple. Tu vois, de euh, un... on, on se sent grandir, quoi. Tu vois. Mm. Ouais. Donc, voilà. alors ta soeur est-ce qu'elle est coiffeuse ou chercheur en sociologie aujourd'hui <laughs> bah, elle C est toujours bien. en licence de sociaux euh, parce qu'il y a le Covid qui est passé par là donc euh, ça a été un peu difficile euh, la troisième année euh, la troisième ah, année ouais, de fac. donc là elle est toujours en licence de socio elle est en troisième année voilà. ok ça lui plaît ouais 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 ça lui plaît beaucoup ouais. mais euh, elle, elle coiffe de manière euh, gratuite <laughs> 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 d'ailleurs elle m'a coiffé pour mon mariage Ah, oh, trop bien voilà. <coughs> Et euh, eh bien, tu en as parlé un petit peu euh, avant. Euh, effectivement, j ai, j ai, je, je ne pouvais pas ne pas mettre une slide euh, mère, ou parce que le, le, la représentation de la femme dans Peter Pan est assez binaire entre, euh, ben, soit tu es une gentille petite maman, euh, soit tu es, euh, salut Mehdi, merci beaucoup, bonne soirée, euh, soit tu es euh, une, bah, une aguicheuse en fait mm. euh, c'est ni plus ni moins une aguicheuse parce que même Lily la tigresse qui est pour moi la moins euh, aguicheuse bah elle danse quand même pour euh, Peter quoi c'est euh, ouais euh, c'est euh, clair euh, bon, les sirènes n'en parlons pas euh, Tinker Bell euh, ben, la fée clochette euh, voilà ah non, ouais, ça, ça ça m'a un peu euh, pff, en fait, je me suis dit, ah mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas de d'affinité forte avec ce dessin animé. En fait, c'est ben, a mm. pas trop de, de rôle féminin fort ou tu vois. On a fait ouais, réponse il y a clair. 15 jours. Euh, on est au so on est aux antipodes. <rire> <rire> non non c'est ouais. clair c'est clair. Non mais surtout que euh, surtout que vraiment il y a il y a ce truc là et, et même euh, la, le côté mère enfin, Wendy est euh, 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 en colère euh, et euh, jalouse et mm. euh, tu vois c'est même pas euh... enfin voilà j'en je, je, ai... Ouais, ai trouvé aucune attachante en fait ouais et Wendy franchement moi que j'aimais bien quand j'étais petite là quand j'ai revu euh... Regarde, regarde l'image, la photo là, elle a l'air bête, quoi. Enfin... Mm. <laughs> elle a ses grands yeux comme ça. Moi, je trouve ouais. qu'elle a l'air un peu manipulatrice, tu sais, même quand elle parle à, à son père en lui disant ⁇ Ah, oh, mais papa, pourquoi t'as as dessiné sur tes C'est vrai, truc, ouais, ouais. <laughs> tu vois, un ouais. Peu, euh... Elle ressemble euh, grave ouais. à sa mère. Ouais, ah, bah, ouais, ouais, c'est clair. clair. Ils ont tous l'air bêtes ah, bête. ouais. Non, parce que non, je trouve pas qu'ils ont tous l'air bêtes, mais, euh... mais Wendy, un peu, ouais. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est devenu rouge, ça. Bon, pourquoi pas. Euh... C'est toi qui fais des, des petites bougies, bougies là. J'aime bien. Ouais. Euh... L'autre thème que j'ai mis, c c je pense que c'est le dernier, c'est la jalousie, parce que, bon, qui est vraiment... Euh, voilà, c'est la suite logique. Hein, euh, euh, les femmes ressentent de la, beaucoup de jalousie. Donc, euh, tic, euh, la fée Clochette. Même Wendy, qui est quand même cette espèce de personnage... Euh, très euh, sain et très euh, douce et tout ça, elle, elle se met quand même en colère hein, et elle, elle devient jalouse. Euh, les sirènes qui tentent de la mettre dans l'eau, pendant que Peter, il se fend la poire et en disant <laughs> ⁇ ah, mais ça c'est insupportable et, !⁇ ouais. et, et, Moi il... c'est le moment où je me suis dit, en fait c'est pas un bien <laughs> Déjà ah, j'avais ouais. des... tous les indices avant, mais là je me suis dit, il la défend même pas. Ouais. Genre... ouais non, je suis totalement d'accord. Ouais. Donc, euh... en fait, ce qu'il y a, c'est que le thème de la jalousie, ça pourrait être intéressant dans un dessin animé, tu vois, pour euh, mm. en parler avec des enfants après. Sauf que là, il est. C'est juste horrible, quoi. Tu peux pas dire ouais, qu'on pas, pas, la pas être jaloux parce qu'il n'y a pas la morale. Il n'y a, ouais, la... a pas la. Morale. Voilà, ben ouais, on peut être jaloux. Mais comme <laughs> à aucun moment on met euh, Peter face à ses, à ses défauts. Ouais. Tu vois, il n'y a, a, a jamais la discussion de Wendy et Peter, où Wendy lui dit, mais en fait, tu peux pas te comporter comme ça, frère. Euh, mmh. euh, moi, je suis venue avec toi, euh, tu devais me montrer des trucs, et à cause de toi, je me suis fait euh, taper, je me suis fait euh, euh, kidnapper, je me suis fait... Et à aucun moment, tu t'es dit, euh, ça pourrait être bon de te prendre des excuses. Mmh. Et vice-versa, euh, tu vois euh, que les meufs, elles disent, ah, finalement, désolé, tu vois, tout le film, j'ai attendu le moment où Clochette et Wendy allaient s'entendre. Ah ouais. Je me suis dit, il n'y a pas un moment où elles se réconcilient. Non, il y a juste Wendy qui, qui dit euh, « Ah, pourtant, ouais, moi, je la trouve très jolie ou je sais pas quoi, je la trouve magnifique. » Ouais, Mais... c'est clair. Elle a beau de dire ouais. des trucs, elle est là euh, « Je m'en fous. » Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est bah, représentatif de la... C'est quoi le contraire de sororité <laughs> euh, bah, euh... De la soro... sorogénie Con Concurrence féminine pas enfin, de la misogynie ouais. euh, au sein même. Et euh, la du... misanderie. Ouais, oh, la ouais. misanderie... Euh... Ouais, dans, dans, le, dans le, entre femmes mais, mais en vrai quand j'étais plus jeune je trouvais que c'était en fait c'était très prôné enfin pas prôné mais euh... Euh, c'était souvent ça quoi c'était souvent euh, euh, les meufs qui se battent pour un mec euh, ouais. euh, les meufs qui ne peuvent pas s'entendre les meufs... et je trouve que depuis quelques années dans les nouveaux films dans les nouvelles séries etc on est sur ce truc là de sororité où on revient mmh. à des basiques en se disant on va pas se battre pour un mec euh, serait euh... non mais c'est toujours le truc c'est un peu euh, la poule et l'œuf quoi c'est est-ce que parce qu'il y a des représentations culturelles euh, les femmes sont comme ça enfin, en, en, en l'occurrence euh, les femmes sont jalouses et méchantes entre elles ou euh, est-ce que parce que les femmes sont méchantes et jalouses entre elles, euh, on en a fait euh, un, un truc euh, accepté dans, dans des œuvres culturelles mais euh, mmh. bah, je suis très contente que maintenant on fasse un peu de place à la sororité qui est un mot que je ne connaissais pas il y a, il y a deux ans, enfin, j'exagère peut-être mais je, même le mot je le connaissais pas. Enfin tu vois c'était. Ouais. Moi je connaissais euh, la sororité que dans le truc américain, euh, tu sais des. Oui. Euh, C'est quoi les, pour les, les garçons d'ailleurs bah, Les fraternités. Ah ouais ça s'appelle fraternité pour ah les ouais. garçons. Ah ouais. okay. Et bah, voilà donc dans les trucs là euh, kappa, euh, kappa ouais. gkappa là euh, où on disait une sororité en fait euh, ben j'en ai rien entendu parler quand j'ai commencé à écouter euh, des euh, des podcasts sur les sorcières euh, où on parlait justement euh, de sororité et du fait que en fait un des trucs euh, à l'époque où on brûlait des sorcières à Salem euh, c'était mmh. euh, le, les sororités, les, les femmes qui euh, se rejoignaient pour vivre ensemble euh, ben bah, en fait c'était un... <laughs> ça pouvait être un, une preuve que, que c'était des sorcières quoi d'accord ouais. ok hum. ambiance ah Ouais, désolé, je l'ai mis là. <laughs> Mais non, ce pas désolé. Moi, ça me donne envie de le revoir. Il est trop bien, ce film. J'en ai un très très bon souvenir. Ah non, mais Hook, c'est vraiment euh, le film de mon enfance. Je crois que je connais absolument toutes les répliques, toutes les chansons, toutes les vraiment toutes les nuances. Bah, tellement que je vous avais dit la dernière fois que j'avais remarqué que c'était une femme, euh, la pirate, euh, enfin le pirate qui va dans dans le coffre à bobos, euh, euh, que c'était une femme. Et on avait regardé la dernière fois qui c'était. J'ai déjà oublié. Mais euh, voilà. Euh, Ruffio, quoi. Enfin, euh, Voilà. Enfin, euh, pour moi, on est en train de mêler euh, Robin Williams. Donc, juste, euh, voilà. Euh, J'ai oublié à chaque fois son nom, mais euh, euh, le crochet, c'est Dustin Hoffman. Merci. Euh, Julia Roberts. Enfin, on est sur un, un... un casting en or. Un, ouais, un putain de casting euh, je trouve que les musiques elles sont magnifiques je trouve que enfin euh, le bateau il est bien fait t'as l'impression d'être à Disneyland tu vois vraiment euh, j'ai adoré euh, ils sont tous les enfants sont attachants c'est euh, pas un film Disney euh... d'ailleurs je je crois, pas, hein. non, je crois pas parce que j'ai essayé de le chercher et je crois que c'est un Warner Bros ou un est réalisé ou par Steven Spielberg ouais est est un Spielberg dit, ça te ouais. pas Exactement. Et, euh, et je ne sais pas si tout le monde l'a vu dans le chat, mais euh, je pense qu'il a en effet vieilli. Mais euh, je trouve qu'il y a... Pour le coup, ils ont posé les morales. Euh, je trouve que le crochet, il est attachant. Quoi. Enfin, tu le vois sans sa perruque, tu, tu le vois en position de faiblesse, tu vois aussi toute la critique du capitalisme. Enfin, je, 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 mm. Il est parfait. Est et donc, ce que je proposais, c'est j'ai mis le lien vers une de mes scènes préférées. Euh, donc, si tu cliques sur Hook, euh, OK, euh, voilà. Ah peut... oh là là, merci Anissa, trop bien. Avec plaisir. Je, ça me donne envie de le revoir aussi. <laughs> euh, eh bien, on va passer à, euh, maintenant qu'on en a bien parlé, à l'évaluation un petit peu plus euh, quantitative, n'est-ce pas? sous forme de notation. Euh, on va d'abord regarder les avis euh, le pire et le meilleur. Attends, je crois que j'ai mis le, ouais, le pire en premier, cette fois. Parce que le pire est moins, euh, moins stylé que le, que le meilleur. Mmh. <laughs> Donc 0,5, un des Disney que je déteste le plus. C'est à partir de là que Walt Disney, qui était encore en vie, et son studio ont commencé à couler. Après le sublissime Cendrillon, son dernier film dessiné qui restera pour moi le meilleur des Disney avec le premier long métrage Blanche-Neige et le magnifique film 3D Réponse, le tout dernier sorti l'année dernière. Peter Pan est un dessin animé qui ne m'a pas du tout accroché, même quand j'étais petite. De une, le héros, Peter Pan, sa petite peste de fée Clochette ainsi que des autres que les autres personnages ne sont pas sympathiques. Même le grand méchant du film est pathétique et sans charme. De sans charisme. Mister... Euh, sans charisme pardon. Euh, de deux, Mister Peter Pan veut jouer les grands chefs, possédant un harem de sirènes cruelles et jalouse de Wendy et qui l'humilie en arrosant d'eau sous l'œil cynique et hilar de Peter, refusant d'aider la jeune fille. Le garçon refusant de grandir possède également une armée de sales gosses perdus en, en fourrure d'animaux. Très original, ma foi. Euh, et enfin, sa meilleure amie est la fée Clochette, personnage archétype de la fille arrogante, méchante et jalouse, surtout quand Peter flirte avec Wanny. Je ne trouve rien de séduisant à Peter Pan, et avec ses grandes dents de devant et ses oreilles de lutin, contrairement au personnage féminin de l'histoire, blague à part. Pour couronner le tout, les musiques sont insupportables et enfantines. Pour moi, ce n'est pas le pays imaginaire, mais le pays cauchemardesque. Oh là là. <laughs> euh, ça me fait penser, euh, il, elle dit euh, il dit que c'est euh, que Walt Disney était encore en vie, que son studio commençait à couler. Euh, Peter Pan, il a eu du succès. Hein, c'est un film qui a eu du succès euh, après Alice, qui n'en avait pas eu, pour euh, rappel. Et euh, ce que j'ai pas dit, c'est que pendant la production du film, c'était un moment, euh, je crois que c'est 1952, enfin 1953, c'est l'année où sort euh, Peter Pan, 1952, c'est euh, la création de son entreprise pour euh, euh, créer euh, Walt Disney, euh, les, parcs, les parcs Disney. Donc euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, Walt n'était pas très euh, présent sur la production du film. Il donnait quand même son avis de temps en temps, mais il était beaucoup moins présent que sur les, euh, les, euh, les productions euh, précédentes. Mais euh, ouais, bah c'est sympa. Hein ouais, ouais, Et, Et attendre de voir les bonnes notes. De... <laughs> Et sa petite piste de fait. <laughs> voilà. voilà, donc ça, c'était le visiteur de 2011. <laughs> Et là, 7 sur 10. là, Ouais, ok. J'ai été chercher un 7 sur 10 parce que les 5 sur 5 euh, de Allociné étaient vraiment. Euh... Ah, c'est un super film. Donc, pas ouf. Euh, donc, j'ai été un peu creusée et donc j'ai été sur Sens Critique. Ah, j'ai trouvé un critique. merveilleux 7 sur 10. Il était très, très long. Alors, j'ai un peu rogné. J'ai gardé euh, la partie la plus drôle, hein, en vrai. Mais, okay. euh, donc, je suis désolée, c'est long. C'est parti. <laughs> euh, Remets-la en place, pauvre hydrio crépusculaire. Dans tout, bon Disney, euh, dans tout bon Disney qui se respecte, il y a une double lecture de l'intrigue de... et Peter Pan n'échappe pas à la règle. Pardon. La poésie de l'enfance et de la volonté de ne pas grandir rend le film véritablement attachant et lui donne un cachet qui... que n'ont pas les autres. Une aura de bonté simple qui fait tout son charme. Il... En fait, il a dit plein d'autres choses positives. Ma critique pourrait s'arrêter ici. Mais comme je suis un vieux con, j'aime bien casser les rêves des gens, alors je vais remettre en place deux trois petits détails, histoire de prouver que Peter Pan n'est pas uniquement le petit, le petit dessin animé tout mignon que la Doxa nous ordonne de voir. Non, je l'affirme, Peter Pan est une œuvre du diable, une bassesse de stupre et de fornication dont les évocations sexuelles font pâlir n'importe quelle marche sur en rut. Vous ne me croyez pas, hein mais je vais euh, m'en vais vous le prouver. Tout commence normalement. Dans la chambre des enfants, lorsque Peter, ou Pity la chaudière, dans le milieu, <laughs> fait irruption dans la dite chambre. Wendy, dont les ardentes pulsions n'ont d'égal que le vice qui transpire par ses yeux, lubrique, trouve cela tout à fait normal et décide de lui faire des propositions plus qu'explicites, tentant même de lui voler un baiser, pour le dire poliment et acceptant sans poser de question de partir très loin avec le bel et sombre inconnu. Suite à cela, une entrée dans la stratosphérique supposée congelée. Congelée. Euh, tout le monde les emmène euh, au pays imaginaire. Sur place, Pity la chaudière ne perd pas une minute. Il largue les encombrants, frang les encombrants frangins de Wendy, l'allumeuse avec <laughs> cette phrase digne d'un porno des années 70. « Allez viens Wendy. Allons, allons voir les sirènes. Oh. <laughs> euh, ces dernières pas farouches euh, pour un poil. Désolée, ma lecture est, est très mauvaise. Ces, ces dernières, pas farouches pour un poil, tentent de se liguer pour faire disparaître leur nouvelle concurrente à l'obtention des faveurs viriles de ce bon, de, de ce bon vieux Pétit. Mais cette tentative échoue à cause de l'immonde et vicieux crochet, dont la réputation est bâtie sur son habileté légendaire à manier le dit, le dit ustensile. Et après cet échec, Piti la chaudière tourne son regard marqué par la luxure ailleurs que sur sa belle et la pose sur Lily la tigresse. La jeune indienne, voyant là l'occasion jamais de jouer au docteur, décide de mettre toutes les chances de son côté en proposant à l'intéressé une séance de lap dance du plus bel effet pour finir de sonner. Wendy, se sentant délaissée comme l'avait été Clochette avant elle, s'éloigne de Pity, provoquant un drame sentimental digne des feux de l'amour. Et partant, euh, en partant et partant, euh, Clochette désespérée se vend littéralement accrochée, aveuglée par la haine et le ressentiment. Mais profitant de la défaite du capitaine, Pity en profite pour se réconcilier avec Clochette et Wendy dans un triolisme joyeux. <laughs> voilà, j'ai sans doute brisé, euh, j'ai sans doute réussi à briser l'image de poésie de Peter Pan. Du coup, je me sens mal à présent. Je vais, je m'en vais essayer de me racheter en vous parlant de tout. Du, pardon, des tout derniers instants du film la vision du bateau euh, par les parents. Et cette phrase du père être rationnel par excellence j'aime bien l'impression j'ai bien l'impression d'avoir déjà vu ce navire d'une simplicité franche et belle presque enfantine pour nous rappeler que nous sommes tous des grands enfants avec un cœur gros comme ça. Moi-même, si si. Voilà, j'ai amputé la moitié hein, du, de, 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 de la chronique. J'adore, mmh. mais j'adore sans critique, c'est trop, trop bien ce site ouais euh... ok. Il est allé, moi ouais, okay, voilà. c'est allé... bon, sûr, on en a, on en a parlé. Euh... Mm. C'est, ouais. ouais c'est Piti euh, la chaudière, j'aime donc... beaucoup. Ouais, Piti la chaudière, ouais. <laughs> voilà. Bon, sinon les autres étaient pas vraiment intéressants dans les bons avis. Ok. Et euh, alors notre avis à nous, qu'est-ce que tu, voilà, mince, qu'est-ce que tu aimes dans dans Peter Pan? Crochet, la robe de Wendy euh, et euh, la quand il vole à côté de Big Ben, voilà. ok, c'était succinct. Euh, ah, oui, je pourrais dire l'attraction à Disneyland. <rire> <rire> non, elle fait grave peur. Ah, oh non, Peter Pan, elle est bien. Elle fait, elle pas fait peur. Ah non, c'est celle de Blanche Neige qui fait, fait Blanche Neige qui fait peur et Pinocchio aussi. Ah oui, as raison. Euh, non, vrai. non, Peter Pan, c'est. Euh... Non, ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Euh, ce que j'aime, je pense, c'est euh, euh, l'esprit d'aventure. Tu vois, je, une fois, on disait que souvent, les films d'aventure dans Disney, c ça marche pas très bien. Bah, je trouve que là, ça marche très bien. J'aime je, je, bien l'aventure qu'il qu vit et qu'il fait vivre à, à Wendy et ses frères. Euh, j'aime bien. Il y a un autre que je voulais dire que j'aimais bien, mais je m'en souviens plus. Euh, donc, je vais m'arrêter là. Bien. Ouais voilà, j'aime bien euh, le film d'aventure quoi. OK. Bon, Pe très une très petite mal. pensée pour la planète au trésor ah, effectivement. effectivement. Non non, c'est Ah oui, si euh, j'aime bien le thème de l'enfant qui veut pas grandir. Euh, mmh. le, de rester en enfance et tout ça, je, je le trouve je, je trouve sympa et c'est vrai qu'il a, comme dirait notre ami de, du 7 sur 10, un, il donne un certain cachet que les autres dessins animés n'ont peut-être peut pas. Donc euh, ouais mmh. il est chouette pour ça. Qu'est-ce que tu déplores ou que tu aimes moins bah, la, la vision des femmes, euh, enfin, en tout cas l'image voilà, qu'on donne euh, des femmes, euh, je dirais euh, aussi Peter Pan. Euh, je pense que Peter Pan serait très bien sans Peter Pan. Euh, <laughs> euh, voilà, je pense que c'est tout. Euh, bah, écoute, je ne vais, je vais pas être originale, je vais dire la même chose, hein, le, la représentation des de, 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 de filles. Euh, je trouvais terrible et en plus c'est vraiment terrible de montrer ça à des enfants en fait je trouve Donc, euh, mais bon Écoute, ça fait partie du dessin animé mais ouais je suis d'accord avec toi c'est ce que je déplore je vais peut-être déplorer aussi les chansons parce qu'il y en a quelques-unes sont et je serais qu'elles sont assez enfantines et... mm -hmm. bon, a... si il y a Rêve ta vie en couleur" que j'aime bien mais sinon, euh, il manque peut-être des chansons un peu... Euh, je veux dire, un film comme ça, il aurait pu, il aurait pu mériter à avoir d'autres euh, chansons sympas. La note finale. Vrai. Alors, on va aller sur notre petit fichier. Oui, j'ai remis en fait les scorecards. Donc les grilles de notation pour tous les, pour tous les dessins animés que l'on a faits. Donc euh, Anissa et... et moi, on a fait le travail de remettre nos, nos notes. Euh, ah bah, tu vois, Rallo, elle toutes adore toutes les chansons, elle. Ah ouais? Les musiques mmh. sont géniales. Bah, tu vois, à la fille indienne, oui, c'est sympa, mais bon. À la fille indienne! André, elle, reste, elle reste bien dans André. la tête. J'aime bien, bien la première quand ils s'envolent. Yeah. Ah oui. Ouais, bien vite, nana! <rire> <rire> voilà, ça j'aime bien. Mais, euh... Alors... mais les autres. Euh... Oui. <laughs> Je ne sais même pas s'il y en a d'autres, en fait. Si il y a celle des Indiens, bon, et que j'aime pas du tout. Euh... Eh bien, nous allons remplir notre petit. Euh... Notre petite scorecard. Ah, Todd a déjà donné. Ouais. 10. Il est au taquet. Personnage. Sensibilité. 10. Ah oh, oui, j'aurais pensé plus, tu vois. Animation 13. Histoire. 10. Les thèmes 11. 13, 10. Non, tu le notes pas très, très haut. J'aurais pensé un peu plus. Anissa, on est sur du 13 pour la 13. sensibilité personnelle. 9 ouais. pour les persos. 13, 13. pour l'histoire. Non, pour l'animation et les histoires. 12, les thématiques. Il manque une note. Quoi non, non, il te manque le 11 avant. 11, 12, 11. Ah oui. 11, 12, 11. Eh ben dis donc ça vole pas bien haut. Hein. Euh, non, Rallo, vrai. si tu veux nous donner tes, tes notes, n'hésite pas. Blanquica pareil. Euh... C'est ouais, vrai. Ouais, c'est vrai qu'on tu vois, pour une fois, on est d'accord. Bof. Euh, ouais. Mais en fait, si tu dézooms euh, Peter Pan, je trouve que j'ai je, je, toujours ce truc-là de me dire non, mais bon souvenir quand même. Euh, euh, carte, euh, voyage, aventure, comme tu disais, euh, Pirates, sirène. Tu vois, si tu dézooms, si tu enlèves en fait euh, ouais. euh, le, le, le comportement. Euh, Blankika, elle a, elle a rajouté. Ses... Alors, Blanquika, on est sur du. 11, 10, 11, 11, 11. Attends, ah, il m'en manque une. Ah oui, si. Musique et chanson, elles Cinq. me sortent par les oreilles. 5 Alors, Allo, elle remonte un peu les, les, la note, là, la, la moyenne. Euh, <laughs> 14, 11, 12, 4. Oh là, 15 Allo, tu ne nous as pas trop dit, parce que toi, tu as l'air d'avoir quand même une vision vachement plus positive que, que nous de, du dessin animé. J'espère que. Enfin... Et toi J'imagine que ça n'a pas été totalement représentatif, quoi. Mais toi, du ouais, coup, tu bon, pas mis ton, as pas mis ton classement un jour Non, mais je, je le remettrai. Donc euh... moi, mon Peter classement... a été fracassé par Blanquica. Oh Il est en dessous de l'Atlantide non C'est pas possible. J'aime beaucoup Peter pour moi Allo. Il est en dessous de Pinocchio. <laughs> non, c'est pas possible. Je vais le remonter un peu. Je vais le remonter un peu. <laughs> Et c'est quoi que tu aimes le plus, Ralo J'ai aimé beaucoup petite, donc j'ai un lien particulier. Ouais, c'est beaucoup sens la, la sensibilité perso, en fait. Ouais. bah Elle a aussi mis 15 à... aux thématiques à la musique, et à la... aux chansons, aux musiques. Mmh. Carrément. On a un 5 ici, on a un 15 là, tu vois. Ouais, comme quoi. Hein. Je sais pas quoi augmenter, en fait. Non, mais t'as pas euh, à augmenter, c'est la vie. Ouais, si tu as, simple... as préféré l'îlot trésor, as préféré l'îlot trésor. Non non, j'ai pas préféré le trésor, <laughs> mais il est en dessous de Pinocchio de l'Atlantide. Je l'aurais quand même mis au-dessus, tu vois. Je l'aurais mis peut-être entre Pinocchio et Merlin, tu vois. Oh. La thématique sur la peur de vieillir et de la mort. Ouais, j'entends. En, ah ouais, je oh, ça sent ça fait quoi? Ça fait 11,1. La fille est gêne. joyeuse. Ouais. Non, non, mais en fait, moi, je, je suis tota totalement aligné euh, sur ça. Je pense qu'en fait, le, le problème, c'est que la peur de vieillir et la mort, euh, je trouve que c'est. En fait, euh, il, il est tellement agaçant que, bah, en fait, limite, euh, il dessert son combat. Quoi. Enfin, je trouve. Donc, euh, mais je, je, comprends, euh, je comprends assez bien. Et le monde imaginaire, de toute façon, moi j'ai toujours trouvé ça très stylé. Même le fait qu'on dise deuxième étoile euh, après les deuxième étoile jusqu'au les... jusqu'au enfin, mat jusqu matin jusqu'au matin, ouais. Tu vois, c'est une, une formule magique que j'adore, quoi. Donc à nouveau, quand on dézoome, je trouve que il y a des des bons éléments, quoi. On fera un live pour défendre les notes, mais grave. Ouais, là j'essaye de remonter un peu ma note, mais euh... J'y arrive pas quoi. Je vais, je vais, mettre, je vais finir là, je, je peux pas mmh. faire plus. Donc euh, je, je mets égalité avec euh, l'Atlantide. Mmh. Égalité. Il te représente bien la toxicité de la peur de la mort. Ouais. Euh, oui, clairement, c'est vrai. Mmh. Ah, elle est là. <laughs> bon, alors, euh, dans deux semaines, on, on se fait euh, Raya, c'est ça? Bah, soit on se fait Raya, oui. soit on, on peut aussi se faire frère des ours. C'est l'un ou l'autre, comme, comme tu, comme ben tu veux. Frère le, des ours, je ne pense pas l'avoir vu. Ma, ma belle-fille m'en a parlé. Elle m'a dit, euh, elle dit euh, ce qu'on a choisi, les, les dessins animés qu'on allait prendre pour les vacances. Et mmh. euh, elle m'a dit Ah oui, frère des ours, je, euh, je connais. Et j'ai dit Ah oui, euh, et t'aimes bien Elle dit Oui, mais c'est triste. <laughs> Bah ouais ouais c'est un peu triste en effet. Mmh, mais euh, mais c'est un beau, Je trouve que c'est un beau triste, quoi. Euh, moi, ouais, moi j'adore la bande-son, quoi. petit à mes amis que je m'en vais. Avec et la voix Phil de l'île de bah, C'est oui. hein. ça, c'est ça. Exactement. En fait, l'histoire est triste et je oui, pense. que euh, qui mèrent, ça. Ouais, exactement. Et euh, mais ils aiment bien aussi tuer les frères maintenant. Entre les nouveaux héros et ça. Euh, mais euh, mais c'est aussi, en fait c'est plus c'est plus profond que ça. Donc si tu l'as pas vu, et en fait euh, oui il y a le frère qui meurt, mais il euh, y, y a plus dur quoi. Il n'y a pas que le frère qui meurt. Ah oui, ouais, ouais ok ok ben euh, je je sais pas comme euh, j'ai l'impression qu'il y a mais... quand même un enthousiasme autour de Frère des ours donc on peut peut regarder Frère des ours Frère des ours Frère des ours euh... Non, euh, Blanquica disait que Frère des Ours c'était triste. Mais est-ce que la question c'est est-ce que euh, Blanquica, tu votes pour Raya ou Frère des Ours Alors il y, a... en fait, y a un vote pour Raya. En fait, c'est parce qu'il y a un vote pour Frère des Ours mais avec trois cœurs. C'est donc... <laughs> ça, Ça, ça <laughs> plus vous mettez de cœur, plus ça, ça compte. Il y a deux votes pour Frère des Ours et un vote pour Raya. Ah, des Corner, tu veux quoi et toi <laughs> en heure, tu votes pour Frère des ours ou pour Raya Lui il vote pour Raya. <laughs> en euh... tout cas, je, je trouve que alors, euh, juste si on fait un comparatif, euh, Frère des ours c'est triste, mais c'est plus feel good. Alors c'est totalement euh, bizarre, mais c'est beaucoup plus feel good que Raya, parce que Raya c'est quand même dépressif euh, ouais. tout le long. C'est moins triste, mais c'est quand même. Euh... Moi, j'ai envie de j'ai découvrir Frères des ours, donc on va regarder Frères des ours. Allez On en a parlé. aujourd'hui, euh, en f... plus. On, on fera. En plus, on a fait Rebelle. Un on a fait Rebelle il n'y a pas si longtemps, mm. donc. Euh, on va pouvoir... Oui, et c'est je trouve ça euh, très smart de, de faire euh, <laughs> le lien. Voilà. Donc euh, donc voilà. Et puis euh, je voulais vrai, juste frère. vous redire. Euh, si, euh, vous si vous avez l'occasion, si vous comprenez l'anglais, parce que forcément, c'est tout en anglais, mmh. mais pour euh, regarder le, la chaîne de Chafrelas Productions, qui est une chaîne euh, qui est trop cool, où il fait vraiment plein de reviews des dessins animés, pas que Disney, il fait plein de classements, des tops, euh, DreamWorks, euh, il, a, il a fait quasiment tous les, euh, tous les studios. Et on est d'accord ou pas avec ce qu'il euh, qu dit, mais franchement, il le dit d'une manière euh, qui est drôle, qui est. Il essaye quand même d'être objectif. Il est vraiment, il est vraiment vraiment cool. Et donc, je le disais dans, sur le Discord, ouais, il, a, il a vécu un drame euh, la semaine dernière. Euh, il s'en est sorti, euh, donc tant mieux pour lui, mais il a perdu son frère, hein, du coup, et euh, son meilleur ami dans l'accident. Ouais, c'est chaud. Et, euh, et donc, voilà, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Ouais, surtout qu'il se fait troll par. Euh, quand tu regardes mmh. les. Bah, en fait, il se fait troll de partout en mode euh, sur les sur les comments euh, sur les commentaires des vidéos. En fait, quand tu regardes les commentaires, ils sont cool, mais si tu regardes les sous-commentaires, tu as plein de bots en fait qui arrivent en disant euh, euh, ouais, euh, tu mérites bien ce qui t'est arrivé. Euh, ah, 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 j'ai fait une vidéo sur l'accident, enfin des trucs horribles quoi. Donc moi, j'ai passé euh, okay. j'ai passé euh, 20 ou 30 minutes euh, à, euh, à liker les positifs. À, à liker, non, surtout à, à signaler, à signaler euh, les, les, les bots. Euh, okay. Mais voilà, il a besoin, de, je pense, d'encouragement de, et il continuera à faire des vidéos, ça, il l'a dit. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Est, il, est, il est super jeune, il n'a il a pas 25 ans, je crois. Et il est super oh, talentueux. Bien. Donc n'hésitez euh, eh pas. Bah, écoute, euh, chafrilas, quoi. Ouais, chafrilas. Problème, euh, et puis ben, on se retrouve la semaine, non pas la semaine prochaine, parce que la semaine non. prochaine c'est les vacances. Et puis on se retrouve dans deux semaines pour se parler voilà. de Frères des ours. En attendant, on fait. vous fait plein de euh, bisous. 22 février. Ouais. Euh, de bisous mais sans trop de contagion parce qu'il y a plein de virus en ce moment. <laughs> donc, de bisous virtuels. Euh, on vous envoie plein de poussières d'étoiles et de poussières de fées pour que vous puissiez voler vers votre pays imaginaire et que vous fassiez des jolis rêves en couleurs ce soir et euh, à dans deux semaines. Bisous à tous, merci bon d'avoir si été là, vous êtes top. Merci, bisous. ciao, ciao. Et merci à vous, ciao. ciao.